gâche. Ah, ah oui, ça module. Allô, ah oui, ça module. Ah, ça module, les gars, ça module. Allô, c'est à cause de la coupure de courant. Bonjour. Tiens, je te passe le polo. Attends, 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on entend? 3. Est-ce qu'on m'entend? Putain, j'ai trouvé le problème. Et la boue? J'ai trouvé. C'est bon, t'entends ton ton. Le mec, il a appelé pour tu la peux bouffe, faire les bruits avec. Il est en bas. Bonjour à tous, on refait le lancement comme bon, si de rien n'était. Des bruits. Non, on n'entend pas, c'était mieux avant. Oui, bien sûr. Game. Hey, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans le squat, un squat bonjour. Qui fonctionne. Ouais. Mais c'était quoi le problème? Mais c'est quoi cette danse? Je sais, j'ai trouvé quel était le problème, mais je ne vous le dirai pas parce que j'ai compris ce que veut faire Trunks ici. Trunks, il crée des faux problèmes pour les résoudre ensuite lui-même et se dire, Verdi, on n'a pas besoin de lui en CDI, tu vois. Voilà, comme ça, il peut me virer, récupérer tout mon salaire, le misérable salaire, pour sa fucking poche et à celle de son pote chinois, la lame, dont c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps. C'est vrai que là, bah, c'est aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui. Ah, c'est vrai. On n'a plus besoin. Bonjour. Cette danse de blanc. C'est vrai que c'était une sacrée danse. Je sais pas danser, mais genre il y a. Yolofoy bailar. Fais voir comment tu danses toi, tonton. Je sais pas non plus. Allez, arrête, toi, tu sais bien danser. Toi, t'as un sein de. Et je l'ai vu danser au Japon, il a ambiancé les minettes. Hein. Ah, les Portugais, ils savent pas danser. Bon, un petit mais peu quand même. Dis pas n'importe quoi. Un peu genre un peu le sang brésilien, toi, portugais, tu vois. T'es portugais, t'es tout. Brésil. Bah, du Brésil, ça danse. Du Brésil. T'es du Brésil. Du Madagascar. D'Inde aussi un peu. Mais ouais, d'Inde, de la Réunion, du Portugal. Du comment ça de là-bas, voilà déjà. Là-bas? Ouais, c'est là-bas. Mais t'es de partout un peu. De l'Afrique. T'es de partout, hein. C'est incroyable, un homme partout. La France-Afrique. Et dans le mix-up, ça fait un blanc. Comment ça se fait? Ça fait un malgache. Un malgache blanc, un albino aux yeux bleus, écarlate, un shiny. C'est la Mongolie. Oui, j'ai des origines mongoles aussi. C'est t'as vrai. Des origines mongoles. Bien sûr. J'ai le ça gène, se voit vraiment pas. Hein. J'ai le gène de Gengis Khan. Non. Et... Mais du coup, à Civilization, tu joues ah, qui? Ah, Gizmo. Hein? Je vais pas jouer à Civilization. Ah bon? Il est bien le jeu, il y a du versus, t'as dit. Bah oui, ouais, il y a du versus. C'est même que ça, Civilization, c'est du versus. Tu joues Advance Wars. C'est de l'enculade. Tu sais, tu peux promettre à quelqu'un, mais oui, t'en fais pas, je ne te ferai rien, et lui baiser sa gueule. Ah. Tu vois? C'est bien parce que tu peux par la parole promettre des trucs que tu fais pas après. Très bien. T'es très très bien. C'est bien, Civilization. Et j'ai jamais joué à Civilization. Je suis terrien, c'est vrai, je suis humain. Bon, si nous sommes tous réunis ce soir, mes frères, c'est pour attendre Trunks et la bouffe, bien entendu. Oui. Surtout que depuis tout à l'heure, tu sais, genre, il l'a appelé en live et il a l'invité dit bah j'arrive mystère. Au mec et au final il est resté tout le long avec toi pour arranger les problèmes. J'ai mis le mec de la bouffe, il a dit bah tout à l'heure. Et le mec il attend depuis tout à l'heure en haut. Insoupçonné. Tu veux dire qu'il a. Et un soupçon. Il a tellement pas mystère. Eu confiance en moi. Mais il a attendu, oui. Mais en haut, il y a Norman fait des vidéos. Mais ça, putain, il... mais lui, mais oui. Il est toujours là-haut. Il est toujours là-haut. Non, vas-y, il fait un périscope. Il faut une réception de l'ambassadeur. Non. Ah bon? Bah, je sais pas ce qu'ils font. Lui, dès qu'il enregistre une vidéo, ils savent qu'ils vont se faire tellement de millions qu'ils font une réception en fait. Déjà à la base. Déjà, ils cassent les couilles de tout le monde dans le bâtiment. Ah, ça y est, dans ça le arrive. Bâtiment. Bah oui, même les pauvres employés de Webinar. Oh, le manger. Le manger. Le j'ai entendu manger. Les sacs. Le manger. Bah, et Trunks, moi je mérite, j'ai remis le son. Trunks, c'est une bouteille du chef, tonton, s'il te plaît. Oh là là, allez, moi je suis plus vieux que toi. Bah, le chef, là-haut, parce que t'as le manger. Oui. Le chef. Le chef. C'est oui, le chef étoilé. Voilà, le chef étoilé. Bien sûr. Le chef étoilé. bon, je sais pas ce que vous avez raconté, mais sachez que j'ai mis longtemps à sortir parce que il y a Norman qui fait des vidéos. Il y a quelqu'un de vraiment important qui fait des vidéos dans l'accueil de Web Media. C'est pas Norman, alors. C'est Norman fait des vidéos. Un casse-couille. On et fait comme, un périscope, et comme quoi, on peut faire parle un bien, il n'a pas prévenu personne. Parle bien de on tes peut sujets. Faire un périscope. Je peux faire un périscope. Vas-y, absolument ah, vas-y. Pourquoi mais bien sûr que non, mais c'est confidentiel. Ah bon? Mais tout ce qu'il fait. Bah, si c'est notre lieu de travail, si moi je ne savais pas qu'il était là. Il a raison. Si je ne savais pas qu'il était là, j'avais envie de me filmer, je faisais un vlog.
de moi-même. Hein, et que, oh, alors, bah, le, voilà. La vidéo de Norman, elle est plus importante que le vlog de Monsieur Karaté, c'est ça que alors, bien, elle est plus importante. Une heure de son temps est plus importante que toute ta vie. Toute ta vie, tout ce que t'as fait dans ta vie. Et bah, qu'il utilise l'heure de son temps pour se raser, parce qu'il est moche comme ça. Putain, mais Verdier, parle bien de notre patron. C'est vrai, moi je. Putain, notre saint patron. T'as vu ses petits poils là, ouais, c'est bizarre. Gilou, elle s'en fout, elle a juste faim. Je sais que. Bah, déjà, il me fait peur. Ah, il me fait peur. Franchement, avec ses petits poils là, ça me fait peur. Ça agresse un peu, hein. Ouais. Parle bien des gens poilus. On dirait une tête de couille mal rasée. trêve d'allégations. Oui. On a faim. Oui. On a tous faim. Et ce soir, avant de manger, parce qu'on va pas manger sur la gueule de l'invité pour mystère, on n'est pas comme ça non plus. Il nous faut l'invité mystère. On avait promis un vrai invité mystère. C'est-à-dire pas du Mizu, du Pentaro. Pentaro. Et là, je te jure que si c'est Pentaro, là. Ah, mais c'est la meilleure émission de la Terre. Les gens, ils éteignent le poste. Et ils savent qu'on est capable. Ils savent qu'on est capable. Ils savent qu'on peut le faire. Oui. Ils ont déjà, c'est vrai en plus. Ils ont déjà vécu une expérience similaire. Ah, ils ont déjà eu ça. Oh, non, pas lui. Oh putain, merde. C'est vrai que c'est impossible qu'ils trouvent. Hein. Et là, c'est en fait. Norman fait des vidéos qui était là et qui en fait est notre ami. Il est venu pour nous. Regardez du spoil. Ah là là, c'est notre ami. Bah oui, parce que Webedia, le lore, tout ça. Oh là, putain, mais parle bien. Mais non, c'est les 15 bières. Du coup, attendez, je fouille la bouffe. Et du coup, je vous avais promis un vrai invité mystère. Du coup, est-ce que vous pouvez serrer vos gros culs ou est-ce que Gilou peut aller Non, moi je vais prendre le siège. Prends le roquette aussi. Prends le roquette aussi, pas trop loin de toi. Prends le roquette aussi. On va en avoir besoin. Mais ça rigole du lore de Webedia, mais le lore de Webedia, il y a de quoi écrire des films, enfin des séries. Des fanfictions, c'est incroyable le lore de Webedia, c'est plus riche que le Seigneur des Anneaux. Et d'ailleurs, l'invité mystère écrit sur le lore de Webedia. L'invité mystère. Ah ouais. Ah bah oui. Il est sur le lore de Webedia. Allez, bien invité sûr. Mystère, allez, on a faim, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. As-tu ton micro, est-il unmute? Es-tu bien installé? Ah, c'est mute. Allez, ramène-toi. Et l'invité mystère pour les 1 an de JVTV, c'est lui, Giga Etienne. Oh, Alors, je sais pas comment des gens ont trouvé dans le chat que t'as donné aucun indice, tout le monde a piffé Pentaro et Nono. Et finalement, G-E-2. Il prend la bouffe. Il laisse même pas finir quoi. C'est ça. C'est pas vrai. Le GE2 de Gaming Live. C'est ça. Le GE2 de Sakados. Le GE2 voilà. Le GE2 de la Gamescom de l'E3. Des émissions bien réalisées. Le GE2 de la PGW 2015. Des matinales à 8h du mat. Le son quand tu lançais une émission. Le vrai GE2 du pas CDI. Ça c'est l'ancien GE2. Parce que pourquoi GE2 est venu avec sa couronne? C'est que ce n'est pas GE2, c'est Shin GE2. Ah oui, vous avez sous les yeux, sous sa nouvelle forme la plus puissante. Je suis dans le micro. Ah attendez, excusez-moi, je vais couper le son. Titulaire d'un CDI. Titulaire d'un CDI. Non, enfin, tu vois, c'est impossible, on est d'accord. J'aurais pu. Si je voulais vraiment rester un petit peu, puis me proposer d'autres missions à côté, pourquoi pas. Vous voyez, c'est ça qui est beau, c'est que GE2 en fait, il a tellement attendu le CDI que quand il a pu l'avoir, il a fait. Eh ben non, je m'en vais comme un prince et je trouve un CDI chez Minute Buzz. Chez Minute Buzz, du coup, Minute tu taffes là-bas depuis Il recherche des gens en CDI ou tu dis ça comme ça à Si t'es chef de projet au commercial, pourquoi pas? Est-ce que tu sais vendre des choses? Ouais, bien sûr. Eh ben voilà, tu peux être le bienvenu, tu peux postuler en tant que chef commercial. Bah, tonton, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Tu pourrais leur dire chez Minute Buzz, vas-y. Vas-y, pour convaincre. 30 secondes pour convaincre. Déjà, c'est pas un an. Voilà. Déjà, c'est une signe de positivité. Voilà, la Giga Etienne, j'ai serré la main de Julien Lepers. Oui, j'ai fait un selfie avec lui. Et c'est. Ah, là, tout à l'heure? Non. Ah, chez les tours là. Mais c'est quelqu'un qui est aussi speed que dans le truc, et t'as l'impression qu'il prend de la coke H24, le mec. Ouais, c'est assez dingue quoi. Mais il est partout maintenant, hein. Depuis qu'il a pu. C'est mon lien, ça. Les gnocchi à la crème de truffe. Il faut bien trouver un truc, on fait du réseautage. Le parmesan à la crème de parmesan.
Et il y a tout raison, hein, quand il faisait les trucs, par exemple, avec Torque, là, avec l'espèce de question pour un champion qui était là-bas. Il y a tout raison, hein. Donc, ouais, donc tu l'as Julien Lepers quoi. Voilà, c'était pas sujet fin et que Oui, ah. désolé, j'étais mon cher GE2, les tagliatelles à la carbonara de l'amitié. De l'amitié. Bien évidemment. On met bien quand même, on met bien. C'est un squat qui se respecte. C'est vrai que Jill a l'air d'avoir faim, tout le monde fait j'ai la faim. Ah mais Jill elle mangera en dernier. Ah oui, c'est vrai, tu la connais pas. Elle en fait elle était dans Eclipsia avant. Ah, tu m'as fait peur, je croyais que tu sais peut-être pas qui c'est. Alors depuis que t'es parti, Trunks a regardé toutes les autres web TV et dès qu'il y a une fille un peu mignonne, il l'a demandé si elle voulait faire sur la JVT. Mais du coup Zoltan, comment il est rentré? Alors qu'il avait déjà moi. Alors qu'il avait déjà moi comme fille mignonne. Il a dit que t'étais un peu mignonne. Mais toi, à râler, mon gars. Bah oui. À râler, on peut dire que c'est un peu aussi malaisant que de prendre des photos de chaussures dans le métro. Attrape tes gnocchis aux quatre fromages. Oui, est-ce que tu veux un cinquième fromage? Ah non, merci. Ah non oui, ouais, si, ça va. Vous avez vu ce backdash. Donc, voilà. Bref. Et parlez bien de Zoltan. Non, Zoltan, elle est très mignonne. Oh, elle est mignonne, elle est bonne. C'est une bonne waifu. Ouais. Mm-hmm. Il y a un bon matériel. Et j'annonce le dessert des panna cotta fruits rouges. Est-ce que ça va? C'est parfait. Wow. C'est bien c'est ça. Parfait. Vegan. T'as vu ça? Et les lasagnes. Parfait. Ah ouais ouais. J'ai pris à chacun. Là tu vois c'est mieux que le burger de chiasse que t'as pris la semaine dernière. Putain. Il y a quoi comme burger? C'était style Big Fernand. Mais lui il aime pas les burgers style Big Fernand. Un Big Fernand. Après ça Big Fernand ça va. Mon Big s'en souvient encore. Et en boisson j'ai essayé HD Dinner et c'est quand même un peu lotière ça. J'ai chié mou pendant 3 jours. Il m'a regardé. Et en boisson dans le fion. Voilà. Mais du jus de fion. Oui, j'imagine, mais regarde un peu. Ah, il y a ça, un Coca Zéro là. Mais t'es quoi, c'est quoi ton truc? Moi, je le veux bien, là, il a personne. C'est gnocchi au fromage. Oh merde, j'ai fait trop de fromage là. Je rajoute du fromage dedans. Ah, c'est lasagne, elles sont bonnes. J'ai l'impression que c'est de la lave et qu'il y a un petit volcan au milieu. Bah oui, mais il a parlé de merde en plus. Oui, donc beaucoup. De merde molle. Ouais. Bah sinon, non, on partage. Beaucoup de choses. Il y a des gobelets qui ont changé. Ah, mais j'ai vu. Est-ce que tu as suivi un peu? Mais je regarde de temps en temps, hein. Genre, je t'ai vu en train de faire de la merde sur Metroid. J'ai pas fait de la merde. En quoi j'ai fait de la merde? T'arrêtais pas de râler alors que le jeu est très bien, Metroid. De râler sur Metroid? Ah oui, tu dis, oh, ça sert à rien le tuto, le saut c'est craqué. Mais en quoi c'est râler de dire que le gameplay il était divin? À râler. T'as pas dit qu'il était divin. Mais putain, mais j'ai passé une demi-heure à dire que le gameplay est divin. Mais c'est incroyable, est-ce qu'à chaque fois que je parle, je donne la sensation de râler sur les trucs? Bah là, oui, tu râles. Ouais. Sauf que c'est Pokémon et Nintendo. Mais enfin, c'est chaud, c'est-à-dire que même quand j'aime un truc, je donne l'impression de râler, de me plaindre. Par contre, quand tu regardes Mario Luigi, t'étais vraiment kiffant. T'étais en mode, c'est vraiment mon jeu de la vie. Mario Luigi, ouais, t'as kiffé. Ouais. Mais Metroid, j'ai surkiffé, vraiment, à ce point-là. Oui, la vérité, c'est oui. Putain, mais c'est ouf d'être comme ça. Après, peut-être qu'après, t'as vraiment kiffé, mais au début, je t'ai vu... Je sentais que t'étais en mode, j'aime bien les anciens et ça me fait un peu mal au cœur de passer à un truc un peu mais nouveau. Mais pas du tout. Justement, c'est tout le contraire. Ce que je voulais dire dans ce test, c'est que le gameplay est parfaitement réadapté en 2,5D et que c'est il y a que des bonnes idées à l'intérieur. De quoi? Ah, le nouveau Metroid, tu parles. Qu'est-ce que t'appelles? Il y a que des bonnes idées. C'est quoi la 2,5D? C'est en le gros, jeu en 3D, mais par plan contre, tu joues sur un plan 2D. Tu vois, genre Dragon Ball Fighters, c'est de la 2,5D vu que c'est en 3D, mais c'est sur ça. Un plan 2D. Street, tout ça. Toi, tout le contraire de Cuphead, qui est un vrai jeu 2D, quoi. C'est ça. Les modos, vous pouvez bannir tous ceux qui demandent qui c'est GE2. C'est-à-dire que c'est pas des vrais. C'est-à-dire que c'est pas des anciens. C'est-à-dire c'est des. Voilà. On n'en veut pas. On n'en veut pas de ces gens-là. Non. Bon, en même temps, ça fait quand même un an, quoi. N'empêche, en un an, ils s'en passent des choses. Donc c'est un peu normal, hein. Je me rends compte que les gens interprètent du coup mes propos systématiquement négativement. Mais... À chaque fois que je. Moi, c'est simple. Hein. Je peux dire le bien de n'importe quel jeu du monde. Il suffit que j'en fasse juste une petite critique négative parce qu'il faut bien mettre quelque chose dans les moins à un moment. Pour que ce soit terminé, il a torpillé le jeu, Verdi en culé. Non mais Verdi en même temps, t'es sur internet, tout sera interprété et surinterprété. Et retranscrit sur son Wikipédia, officiel. Oui. Tu sais où je suis tellement un mec de la passion et... Bah c'est ça en fait, quand t'es moi à 200%, quand t'es à 100%, ils disent « Ah il est à 100%, pas à 200% ». Ouais c'est ça. C'est ça. Bon, les pâtes sont-elles à niveau? Franchement, cette lasagne elle est excellente. Pourquoi je suis parti? Bah vas-y, explique, livre ta vérité. Wow, livre ta vérité, vas-y, règle tes comptes. Ça tombe bien, on a un peu... Vas-y, crache-moi dessus, vas-y, alors, vas-y. Je suis pas là pour cracher, parce que de toute façon, je serais en mauvais terme, je serais en mode fils de pute ou ébédi à l'écran. Voilà. Mais c'est pas le cas. D'accord. Juste que, mais quand même. Un peu. Disons qu'à côté, on m'a proposé un autre poste un peu différent. Du coup, en CDI, donc en stabilité. Ouais, ok.
Et je fais, bah ouais, et qu'est-ce que tu fais du coup maintenant? Alors je fais du montage vidéo, un peu de stream aussi sur, sur Hero, donc une page Facebook. Mm-hmm. Et c'est totalement différent. Parce que autant ici, t'as vraiment des hardcore gamers, des gens qui sont passionnés par le jeu vidéo. Autant là-bas, vu que c'est généraliste, on est quand même divertissement, cinéma, série, jeux vidéo. Mais tu peux pas te permettre de. Enfin, genre, je fais pas une vidéo de 2 heures sur pourquoi Fire Emblem c'est génial. Ouais. Par contre, tu peux faire une vidéo sur Pokémon en disant comment. C'est des formats courts. C'est ça, c'est des formats de 1 minute, donc faut être super. T'as parlé de KOF 14? Bah non, j'étais arrivé après. Oh là là. Par contre, DBZ Fighter, t'inquiète pas qu'on l'avale le Goulum chez nous. Ah ouais? Bah, on a des gros fans de Dragon Ball ici, donc on attend avec impatience ce truc. Hein, c'est... Ah. Pour toute la France. Comme, bah, un peu comme le monde. J'ai fait la bêta, je me suis fait allumer des one. C'est le jeu de l'univers. Mais attends, apparemment je suis tombé contre toi. Le jeu de l'univers. Apparemment je suis tombé contre toi pendant la bêta. Ah ouais? Et je t'ai allumé. Non, Gilles, t'as battu Attends, Gilles, t'as tué Gigaken durant la bêta. Évidemment, t'as tout streamé dans Gilles TV. Gilles TV. En gros, dans le chat, c'est en mode oh, c'est jeu de. Moi, je suis en mode cliquer. Et, okay. Voilà. Et maintenant tu sais. Bah voilà, en tout cas, moi, dès le premier combat, je fais ok, il y a peut-être un tuto, on va pouvoir prendre tranquillement. Et le mec, il m'a défoncé, je comprenais même pas comment faire les Kamehameha. Je fais ok, bon, bah je vais prendre mon téléphone, regarder les touches et puis voilà quoi. Sauf que Gigaken, c'est une légende. Le seul moment où tu peux genre vraiment chercher tes touches et tout, c'est quand il y avait pas de. Tu sais, les problèmes de serveur, du coup, t'es allé dans l'entraînement. Ah, moi, j'avais pas l'entraînement, j'ai jamais mais l'entraînement. Justement, quand t'avais des problèmes de serveur okay. Et qu'il y avait des maintenances. Moi, je voudrais. Là, tu pouvais. Je voudrais quand même revenir sur quelque chose que t'as dit, Gigaken. T'as quand même dit qu'on avait un public de hardcore gamer. Bah, tu peux pas. LOL! Ouais, franchement, t'as LOL! Fait, t'as fait une heure de Golf Story. Moi, je pourrais pas faire une demi-heure de Golf Story sur Hero. Mon Berdier, tu te souviens qui a gagné le GOTY dans notre top? C'était Nier Automata. Hein. Bah, c'est ouais. Pas, non, mais tu vois, c'est pas. On a vraiment un public. Le public de JTV, il aime Nintendo, il aime les jeux japonais, il aime la baston. Et forcément, il ressemble aux animateurs principaux. C'est-à-dire toi, karaté, Jilou a fait du RPG. Oh, il ressemble. Il te ressemble, tu vois ça là. Tu vois ça là. Non, ça, cela. Tu vois karaté, un hardcore gamer. Oui. Bah oui, excuse-moi. Il joue à Guilty. Il joue à Guilty. Il joue à KOF. Des jeux obscurs. Il joue à Hearthstone. Ouais, non, non, mais c'est terminé Guilty pour karaté. Jamais. Ah bah ouais. Jamais, il en fait plus jamais. KOF, il en fait histoire de réviser ses combos pour perdre sur le live après. Mais sinon, c'est Hearthstone. C'est plus que ça maintenant. Et Splatoon, Epoken. Et Hearthstone, c'est déjà au-dessus de la moyenne. Franchement, tu parles de League of Legends à un mec lambda, il comprend pas, tu vois. Il délaisse complètement la communauté, celle qu'il a vu naître aujourd'hui. Je crois pas, moi. C'est l'argent qui a pris le pas sur la passion, genre. Ah, si c'était vrai. Regarde, Hearthstone, c'est l'argent. Bah non, là, chaque fois que je fais, on m'insulte. Et donc, tu continues. Non, mais qui se définirait comme hardcore gamer ici? Dark Souls, c'est vrai. Hein. Non, mais hein le chat, est-ce que le chat, les grands gens de chat, vous pensez que vous êtes hardcore gamer? Non, mais j'aimerais savoir que mais bien sûr qu'ils sont hardcore gamer. Non, mais bien sûr, Ken. Quoi? Tu réalises même pas. Un mec qui a une console, qui est abonné, par exemple, pour jouer au Xbox Live ou au PSN, et qui achète un jeu, plus d'un jeu tous les 2 mois, c'est déjà un hardcore gamer. Le grand public, c'est les mecs qui ont une console chez eux et qui jouent à FIFA. Fin, c'est tout. Tu vois, ça c'est grand public, tu vois, où les mecs ils vont acheter, ils ont joué à Pokémon Go, tu vois, où ils ont. Moi, c'est une vision réductrice. Mais non, tu te rends pas compte. Moi, tous les jours, je vois le grand public, et franchement. Mais tous les jours, je vois le grand public. Tu fais quelle taille le grand public? Bah, il est pas si grand que ça. Mmh, assez restreint, mais c'est vrai, franchement, tu leur parles de PUBG, faut le vendre en mode c'est vraiment le nouveau jeu de l'action de l'année. Sinon, les mecs ils font ouais, je comprends pas, j'ai Call of, tu vois. Tu vois, on a Rufio dans le chat, un mec comme Rufio. Rufio, c'est un vrai gamer. C'est un vrai gamer, mais il y a des mecs comme ça. Mais Rufio, d'accord. Mais tous les autres. Même les autres, bon, il y a les touilleurs. Qu'est-ce qui prouve que c'est des vrais hardcore gamers? Bah, pour moi, j'en vois un hardcore gamer, c'est un mec qui va passer beaucoup de temps sur plein de jeux vidéo. C'est un mec éveillé, tu vois. Non, mais c'est quelqu'un pour qui les loisirs, son loisir numéro 1, c'est les jeux vidéo. Tu vois? C'est quand il a du temps, il va pas passer sa vie au ciné, passer sa vie à faire du sport ou machin, c'est les jeux vidéo en premier. Sport, même si tu sais, il est pas fait sport ou quoi, tu vois. Oui. Mais il va faire ses trucs, je sais pas. Oui. D'accord. Bon, d'accord alors. Non, mais en gros, pour moi, c'est ça, Verdi, en fait, c'est quand c'est ton passe-temps numéro 1. Pas forcément, mais quand il y a un minimum d'intérêt, quoi. C'est toujours tu t'intéresses vraiment aux actualités, donc, que t'es vraiment curieux, tu vois. N'importe qui va sur jeuxvideo.com. Exactement, Verdi. Exactement, Verdi. Déjà, aller sur un site de jeux vidéo. Se renseigner sur ce qui se passe, c'est déjà être un hardcore. Avoir le réflexe de faire ça, ben les autres ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles. Est-ce qu'il y a des gens qui vont sur jeuxvideo.com ici? Non, je m'étonne rien. Ah, Raziel nous dit un hardcore gamer c'est un mec au chômage. Est-ce que l'on peut faire la corrélation? C'est pas incompatible, mais c'est pas forcément vrai. L'inverse n'est pas vrai non plus. L'hardcore gamer n'est pas forcément au chômage. Oui, c'est ça. Et les chômeurs, des fois, ils ont autre chose à foutre que de jouer aussi. Oui, Pôle emploi, tout ça. Un travail déjà, c'est une bonne piste. Tu recommandes aux chômeurs de trouver un travail, toi, monsieur karaté?
Bah, d'essayer de chercher dans les temps de recherche, oui, qui sont alloués à ça. Donc tu leur recommandes après, de chercher un travail. Après, ils ont quand même un temps libre. Mais du coup, c'est-à-dire que JVC, c'est un site de chômeurs, du coup, et si on prend... Moi, je te pose la question, si on fait la définition, JVC, il y a beaucoup de gars du chat, ils vont sur GK, ils connaissent. Ils connaissent. Ils vont sur GK voir que Godend a eu 5. C'est vrai, Godin a eu 5, Nier a eu 7. Nier a eu 7. Portal a eu je sais pas combien. Non, mais c'est normal ça. Il y en a pas un qui s'est fait défoncer là il y a pas longtemps. Il y a pas eu. Attends. Portal 2, il y a eu combien Portal ? L'un des jeux tout récents qui a eu 7. Je crois que le pire c'est ça, c'est Nier. Que... Ouais. Bah Nier, il lui. Puyo, il a mis 7 select à Nier. Ils ont eu combien à Pokken ? Bah, au pire, on a un PC, on peut regarder. Hein. C'est plus simple. Je pense c'est 5 un Pokémon. Non, mais le pire, ouais, c'est Rez sur JVC qui a eu 12, je crois, ou 10. Ouais, va sur ton site là de truc à toi. Non mais qu'on voit ce que tu fais toi, on s'en fout. Ah oh oui, voilà, mais c'est des vidéos d'une minute, donc c'est pas forcément le truc le plus du monde. C'est des escrocs comme les autres. C'est quoi toi, c'est Minute Buzz? Alors c'est Hero Minute Buzz. Alors du coup on a pas de site, on est seulement sur Facebook. Alors du coup on va aller sur Facebook. Ça s'appelle comment? Hero Gamer. Hero, bah tu vois, c'est le truc by Minute Buzz. Oh putain la vache. Ah ouais, en effet, le référencement il est malade. J'ai tapé, j'ai rien tapé là, Giga Etienne. Et je vous ai déjà. Moi aussi je veux faire le buzz. Deuxième lien. Moi aussi je veux faire le buzz. Comment faire? J'ai deux. Deuxième lien. J'ai deux, je veux faire le buzz. Qui dois-je insulter? Apprends à pas t'étouffer. Ouah, mais c'est Naxel. Et du coup par exemple j'ai pu voir le mec de Malcolm qui est super adorable en vrai quoi. Le mec de Malcolm. Ah oui. Ouais, Malcolm. Et le mec il était adorable. Tu rencontres des stars? Malcolm X? Non, tu sais l'acteur Malcolm, tu sais qui a eu des problèmes et tout. Ah Malcolm, Frankie Muniz. Frankie Muniz, ouais. Ah, oui, d'accord. Et le mec il est adorable de ouf quoi. Il a eu quoi comme problème? Est-ce qu'il immunise vraiment? Bah en fait il a eu un AVC ou je sais plus quoi et du coup il a des il a des problèmes de santé énormes du genre. Notre cam elle est au milieu. Il a carrément oublié ces années où il jouait Malcolm, tu vois par exemple. Ah bon? Non. Si. Oh, c'est abusé. Le mec, il a tellement eu un gros traumatisme que du coup, il a une perte de mémoire et tout. Bon, ça, c'est du MB. Mais c'est attends, pas il du est héros. Pas si vieux que ça, Malcolm. Ouais, mais il a eu. Enfin, tu sais, ça n'avait pas besoin de vieux pour être malade. Hein. Mais vrai. Ouais. Il n'y a pas d'âge pour faire un AVC, mon gars. Non, vomis pas, s'il te plaît. Merci. On est en c'est Omar Sy quand il fait sombre. Ça, c'est toi, ça Game Boy. Autour de la Game Boy. Oh putain. Après on entend ta voix. Waouh. Alors, c'est con à dire, mais c'est la logique à bien articuler. C'était une grosse merde là-dessus. La SNES Mini, les meilleurs jeux de la SNES dans une petite console. Putain, mais c'est comme les vidéos que j'ai vues qui fait ça. Ouais. Et GE2, il a fait du podcast avec Pass le Stick, avec Alvin Stick et avec Mr. Timoth. Et qu'on a arrêté. Et oui, qui s'est fini. Et Coco B. Oui, et j'ai le t-shirt. C'est vrai. J'ai gagné. À la loyale en plus. Royal. On n'a pas gagné deux, genre on a donné un dans le public après. Peut-être, je sais plus. On était jeunes, on était fous. Alors question de Angelum 72, on peut faire du blé avec une page Facebook? Bah oui. Oui, bah en fait c'est comme tout, tu vends après, genre tu dis tiens, on vous promet, je sais pas, 204, 304 vues sur une vidéo. Et puis voilà, c'est comme tout quoi, c'est comme une OPSPC, genre tu vends 1 200 000 j'aime hein, t'as la page. C'est ça, c'est le même genre, c'est juste que c'est pas le même truc, voilà quoi. Il y a les streams aussi dessus. Il y a les streams et franchement par contre c'est un peu plus chaud, enfin, là il va faire entre 900 et 1000 en moyenne. Regardez les vues, 166 000 vues, hein. C'est plus que n'importe quelle vidéo de jeu de baston. Ah putain, il y a Giga Etienne en grand. Ça par contre ça c'est nul. C'est un T'es magnifique, Giga Etienne. Faut être honnête. Oh là là, mon dieu, Giga Etienne, tu m'as fait peur. Ça, c'est les mecs de Kingsman, ça. Tu les as vus? Non, pas moi, c'était à Londres, du coup, j'ai pas pu pour le coup, mais. Moi, j'ai vu, oh là j'ai là, vu putain, le, Etienne, le réalisateur, mais Nekoto, il a mal filmé la c'est question. Ouais. Alors que le mec, c'est en un fait, génie. En fait, si tu veux, il m'a filmé moi en train de dire la question. Ouais. Et au moment de retourner vers le réalisateur, bah, je sais pas, il y a un truc avec le tactile et il a. C'est vraiment ton zéro de vital. Et en parlant de ça, le syndicat du screen. Enfin une émission à ta hauteur. Ah, merci. Très bonne émission. Voilà, voilà. Sur Facebook, il faut abuser les gens le midi. Regarde. C'est ça. Le prime time, c'est partout. C'est 18, 20h, 22h. 22h, c'est plus pour les trucs d'horreur. Après midi, ça va. Mais par contre, entre 14h et 18h, c'est le no man's land de l'infini. Quoi. Ah ouais. 14h, 18h, il n'y a personne. Bah, c'est ça. 18h, ça va. Mais 14h, ça, c'est juste... Mais du coup, GE2, tu travailles c'est que sur Facebook ou est-ce que tu fais du Insta, du Snap, du Twitter? Que du Facebook. Que du Facebook. C'est vraiment, enfin, c'est là où on, enfin, vraiment notre, bah, on a 1,2 million. Ouais, bah ouais. C'est là où on a des reach. C'est vraiment le truc qu'on peut vraiment avoir un plus de trucs. Avoir du volume, quoi. C'est ça. Okay. Mais ouais, c'est principalement là-dessus, quoi. Après, tu vois, c'est un milieu qui commence à arriver et là, Facebook va vraiment accélérer ça.
genre avec une espèce de fonction qui va faire, en gros, tu mettras des originals, qu'on a, enfin, en gros, des formats vraiment spécialisés, un peu comme YouTube Red sur Facebook, où là, vraiment, YouTube, enfin, Facebook, ça va vraiment devenir... ils veulent vraiment devenir la télé de demain. Donc, c'est marrant parce que moi j'ai l'impression. Ils veulent devenir quoi, Facebook ? La télé de demain. Moi j'ai l'impression d'être déconnecté. Moi j'ai l'impression d'être déconnecté de ça parce que je pense que tous ici, à part les deux, forcément parce que pour le boulot, t'as besoin d'y aller, on va moins sur Facebook. Ah ouais, moi je me souviens. Mais ça c'est parce qu'on est des vieux. Je sais pas, mais en ce moment, j'en parlais d'ailleurs avec Jill qui elle est jeune, n'est-ce pas ? Mais on se disait qu'on allait moins sur Facebook. Mais moi c'est l'inverse. Du coup, on se disait que nous on passe du temps sur Twitter machin qui sont des petits réseaux sociaux par rapport à Facebook. Ah ouais ? La masse elle est sur Facebook. Tu vois. Quand tu vois les scores, la masse est sur Facebook. Mais tu vois, par exemple, je suis tellement sur Facebook. Sur Facebook et sur YouTube. C'est ça, par contre, c'est ouf parce que maintenant que je suis sur Facebook, je suis plus sur Twitter. Et c'est... Ouais. Quand je suis sur Twitter, j'ai l'impression que ça va 200 à l'heure. Facebook, c'est ça. Plus pépère. C'est vraiment une différence de médias qui est assez dingue, quoi. Ouais. Putain, j'avoue. En Facebook, j'y vais plus. Ça me remplit le crâne. Ah bah, c'est normal, hein. Jill qui fait la dégueulasse. Qu'est-ce que raconte le chat ? Que j'ai fait encore. Ouais, c'est pas que tu fais la dégueulasse. Non mais regarde, je mange proprement. Je suis sûr que je vais regarder le replay. Je tiens à dire que Pokken a eu 7,3. Et Vidéo.com, je crois qu'il a eu 13, non ? Par les joueurs. Ah, par les joueurs. Donc les mecs concernés, quoi. Voilà. Pokken Tournament ou DX ? DX. DX. Donc, les joueurs Nicolas Verlet, voilà. Nicolas 5, tu te le fous au fion. Il va falloir l'inviter. Et du coup, MVCI, ça combien par le choix des joueurs ? Ah, MVCI, je sais pas, mais il faudrait voir. On peut voir. Hein. MVCI, je pense que les notes, ça a dû être difficile. Tu crois ? Quand tu vois qu'en Angleterre, Pokken a fait plus qu'en MVCI, tu fais... Non ! Ah, c'est la première semaine, en MVCI... Angleterre. En Angleterre, Pokken Tournament a fait plus que MVCI. Là, tu te dis, bon, bah, je pense que le jeu est mort-né. Là, on peut pas rien faire. Quand... Ah oui, là, c'est un indicateur. Non, mais ça se monte sur la longueur, je pense. Oui. Après, pas... ouais, après, c'est beaucoup à la... Tous les jeux, c'est beaucoup quand ça sort. Hein. Ah ouais ? Ouais, bah oui. Aujourd'hui, ouais. Sur la longueur, c'est dur de vendre. Il n'y a que PUBG qui se vend vraiment sur la longueur, finalement. Bah ouais, il y a Fortnite qui arrive un petit peu, qui veut concurrencer. Non, mais hein. Fortnite, vraiment ? Ça marche ? Bah, ils veulent concurrencer, c'est... quoi. Mais après... c'est un pub, aussi, c'est pareil. Ouais, c'est un pub. Est-ce qu'on peut tuer ses collègues ? Gratuit. J'ai pas essayé, mais en gros, c'est plus un PUBG arcade où tu peux faire des petites maisons. Genre, le mec, il veut te tuer, paf, tu fais un mur devant lui pour le faire chier, tu vois. C'est un stand. C'est plus arcade, tu vois. MVCI, il a eu 5 aussi. Ah bah oui, on l'avait vu. Mais tant qu'à tout. 5. C'est fou. Et les joueurs, ils ont pas noté. Ce qui veut tout dire. Je ne sais pas. Tu devrais faire un peu ta note et ta critique de MVCI. Tu dirais quoi ? C'est bah sur. Tu dois faire ton autocritique. Non, c'est vrai. Plutôt que je pense qu'il faudrait juger les notes des autres. Après, c'est plus facile de tester un jeu de baston. En tout cas, t'as vraiment besoin d'attendre. Quelques mois, je pense, après la sortie. Mais quelques mois après la sortie, le jeu est mort. Plus personne ne s'intéresse à l'acheter. Hein. Oui, mais piffer des trucs Day One, c'est un peu dur, tu vois. Bah, après, tu veux dire tester les jeux. Alors, ça, c'est un énorme débat. Ah, ils l'ont un peu en avance. Non, mais de toute façon, c'est pas possible. J'ai vu. C'est un gros débat. Là, encore on peut en parler. Ça joue beaucoup sur la communauté. Je suis allé voir la réunion. Oui. C'est des jeux qui jouent beaucoup sur la communauté. Et toi, quand tu testes le jeu, tu sais. Qu'il est même pas sorti, tu sais pas si la sauce va prendre. À moins d'avoir vraiment le nez creux, chose que n'a pas souvent les journalistes, quand même, on peut le dire. Et enfin, en tout cas, sur les jeux de baston, tu vas pas trop voir sur quoi va jouer le jeu au définitif. Et donc, ce que tu vas dire sera un peu biaisé. Mais de toute façon, ce problème, tonton, là, maintenant, il est global. Parce que vu que la moitié des jeux arrivent en DLC et qu'en fait, ton jeu, tu sais s'il est bien 6 mois après, que vaut le test le jour 1 ? Moi qui suis un dinosaure de la profession, quand t'écrivais un test au début des années 2000, oui, il avait une vraie valeur. Aujourd'hui, tu écris ton test, deux semaines après, ton test, tu peux le jeter à la poubelle. Quoi, après, parce que le patch, il est arrivé. Il y a des jeux qui sont... Ah, Jilou, la grosse dégueulasse ! Oui, après, il y a des jeux quand même qui sont Jilou ! Genre Tekken 7, ça fait 2 ans que tout le monde est au courant à peu près comment ça marche. Tu vois, l'arcade, ça permettait... Ouais, parce que elle est sortie en arcade, ouais. Tekken 7, tu savais 2 ans à quoi t'attendre. Ouais, bien sûr, non, Tekken 7, ouais. Mais ouais, c'est sûr, il était garanti, le jeu. Bah c'est ça hein. Attends, ils ont écouté ceux qui étaient déçus de Tekken Tag 2 donc à partir de là ils ont essayé. Je me suis dit je vais le mettre au four. Non, puis avec 2 ans de bêta test en arcade les mecs, c'est un peu finalement une early access hein, finalement. Ouais, bah c'est ça. Oh merde. Je m'y attendais, je pensais que t'avais fini d'utiliser moi.
Bah, à la fin du dîner, on se lave les mains. Gilles, la cache des gnocchis dans les serviettes, et toi, tu prends la serviette. Bah, c'était ma serviette en même temps. Elle l'a foutu sur gnocchi par terre, elle a pris la serviette sans rien dire à personne, elle l'a ramassée. Moi, je prends ma serviette pour faire ça, évidemment, je vois un gnocchi qui tombe. Mais parce que Gilles, quand elle fait ça chez elle, il y a son chien, il mange le gnocchi, et c'est fini. Mais non, du coup, je t'ai donné la mienne, c'est bon. Bon, Verdier, parlons un petit peu des vrais sujets. Gnocchi, c'est le méchant dans Thor. Parlons un peu des vrais sujets. Tu veux pas nous montrer une copie de ton chat, là? Parce que t'adoptes un chat magnifique. Ah ouais, j'adopte un chat. Tu veux pas nous montrer? Oh, la pauvre. La pauvre, elle s'est fait opérer ce matin. Ah merde. Donc Verdier, prends un chat. Stérilisé. C'est pour ça. Gilles, c'est pour ça. Quoi? Elle s'est fait stériliser. Stériliser qui? Toi? Oui, toi. Non, il faut pas que ça se reproduise. Pourquoi il faut que je me fasse stériliser? Je sais pas. Je sais pas. On parlait de Gilles et des gnocchis, j'ai entendu stériliser. Ah, attends, change de scène. Ah là là. Change de scène. Bah attends, je vais pas tweeter le. Donc maintenant t'as un petit chat, Ken. J'ai bientôt un petit chat la semaine prochaine. Et même une petite chatte. Putain. Exactement. Attention, humour du vendredi soir. Regardez si elle est pas adorable. Et tu l'as stérilisée. Oh putain, monstre. C'est pas moi, c'est l'éleveuse qui l'a stérilisée. Ah, c'est dégueulasse de faire ça. Bah ouais, mais t'imagines, toi, on te stérilise. Bah on n'a pas le choix. Pourquoi on n'a pas le choix? On n'a pas le choix. Parce que tu peux le laisser vivre sa vie. Mais après, elle va aller. Elle va faire des portées. Si elle est pas stérilisée, je ne peux pas avoir le chat. Et eh ben tu l'as pas. Voilà, elle a le droit de vivre sa vie. C'est comme bah, elle va vivre sa vie, tu vois. Elle va vivre sa vie. Tu es pour l'excision, Verdier. Non, je ne suis pas pour l'excision. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est juste que regardez ça. Les associations et trucs comme ça obligent à stériliser. C'est sinon, ça. Ils ne donnent pas le chien, quoi, le chat. Les défenseurs des animaux obligent. Mais c'est des mythos. Ça évite en fait juste que la reproduction, les abandons. Bah non, c'est des défenseurs des animaux. Ils sont tous véganes. Et tu vois à quel point les véganes obligent l'excision des chats. Non, ils ne sont pas véganes. Attendez, tu verrais le marché noir sur le bon coin des chats. Sur le bon coin. Ah, ouais. Le bon coin, les mecs, ils te font ouais, on veut un chat, allez, 200 balles de caution, tout ça. Pour et pour un chat que t'as jamais vu de ta vie, quoi. Les mecs, il y a un vrai marché noir. Genre, tu peux plus. Enfin, tu vois, avoir un petit chat sur le bon coin, c'est genre les mecs qui te vendent. En tout cas, Verdier, je veux te dire deux choses. Je n'aime pas les chats, je suis team chien et je trouve que ce chat est quand même magnifique. Il est magnifique. Hein. Je trouve quand même qu'il est très beau. Je pense qu'il rentre dans un micro-ondes. Oh putain, je pense. Et pas, après, il dit qu'il faut en couper deux. Il te sort un discours sur blablabla, et après le micro. Bah non, mais si à partir du moment où tu l'as stérilisé, en fait, qui va vivre avec Verdier, sa vie est foutue. Alors tu le mets au micro-ondes 2 minutes. Et sa vie est foutue. Le liquide dans les globes oculaires va un peu bouillir au début. Arrête de faire un Game of Thrones. Arrête de faire un Game of Thrones des chats. C'est horrible ce que tu dis. Tu dis que je pourrais pas m'occuper d'un chat, que je serais pas un bon maître pour un chat. Il va t'entendre crier tous les jours. Ah là là. Attends, par contre, tu vois. Je me suis pris un pif, tu vois. Mais y a que toi qui à la maison gueule avec tous tes potes qui sont là tout le temps, 24h/24. Moi chez moi c'est calme. C'est calme. Moi, j'ai pas d'amis, moi. Laisse-moi avoir mon chat. Regarde. Non, mais franchement, Karaté, ça te donne pas envie de mettre ça dans un micro-ondes. Ah si, il est trop beau. Elle a beau. Sa petite balle là. Il est vraiment très beau. Le micro-ondes direct. Moi, les chats, j'ai trop peur que ça. Sur décongélation. Les fils d'écouteurs, les machins. En fait, les chats, c'est les griffes. Déjà, faire gaffe. Faut pas que les fils pendouillent. Il faut vraiment le punir rapidement. Enfin, ouais. Moi, j'ai un petit chat qui est sevré, donc déjà. Faut déjà que ce soit sevré, sinon c'est la merde. Le chat il pisse partout, il comprend pas. Oui, bah c'est pour ça que je dois attendre aussi longtemps pour l'avoir. Il a combien là? Hein? Il a combien là? 3 mois. Entends pas ce que t'as dit, t'as même pas bouffé. Bah non, le bah, non, parce que c'est en fait, depuis tout à l'heure, j'ai le souffle. Elle vient tout juste de se faire stériliser, donc maintenant elle est dans damage reduce, tu vois. Putain, c'est tôt pour un chat. Non, elle récupère de la barre grise. Stérilisation, un chat. Tu as vu quand ils ont stérilisé? T'étais là, t'as assisté. Bah non, c'était aujourd'hui. Ah. Mais à quel âge hein? T'aurais pu me dire. Moi, par contre, l'éleveuse m'a envoyé son rapport détaillé, comment ça s'est passé, etc. Et t'as fait payer? Non, c'est dans le prix du non. chat. Non, c'est tout est compris. D'accord. Parce que sinon, moi, je te le fais gratuit à faire à souder. Oh là là, mais stérilise, hein. Je peux stériliser l'anus aussi. Un micro-ondes. Moi, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien stériliser les yeux. Là, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Je peux stériliser les yeux si tu veux. Quel enfer. Offert à souder aussi. Offert à souder. Offert à souder. Voilà. J'ai des méthodes un peu. C'est mon petit chat. Ça fait le taf. C'est trop mignon. Hein. Est-ce qu'on peut parler argent, Verdier? Ça coûte combien un beau chat comme ça? Un beau chat comme ça, ça coûte près de 1000 euros. 1000 euros, putain. Ouais.
putain, mais Verdier, bordel. Mais prends-en un gratuit. Mais un gratuit, c'est pas ton chat et c'est pas un ragdoll. C'est pas ton chat. Moi, je l'ai pris en assaut et il est très mignon et j'ai pas payé grand chose, tu vois. Non, mais d'accord. Les assauts, attention. 200 balles, tu vois. Mais c'est pas un chat. Et il demandait de l'amour, c'est tu vois. C'est pas un chat de race, de pédigré. Un chat de race, c'est un chat 4K. Mais c'est pareil, un chat dit comme ça. 4K. Dit comme ça, là je valide. Voilà, voilà, c'est bon. C'est un 4-4. Un 4-4. Oh, le kit 4. Putain, Karaté, t'es un génie. Qui veut une panna cotta? Moi, ah ben, t'as moi. Mais t'as rien bouffé, GE2. Bon, ah, c'est il a changé. Il a changé. Je t'ai connu plus fort. GE2, il a changé. GE2, bah écoute, oh putain, mais c'est pas possible, elles sont pas bonnes? Si, elles sont bonnes, t'inquiète. Ah, mais tu m'inquiètes. C'est du porc, tu manges plus de porc. Ah t'es, tu peux le dire, t'es devenu. Oh non, frère. Qui c'est qui a cassé ma cuillère? Non, donne-moi ta cuillère, toi. C'est quoi ce racket? Alors non, déjà, sous les méthodes d'Eclipsia. Dragon Ball, les méthodes d'Eclipsia. Mais non, mais toi, tu manges pas de panna cotta, non? Jamais que je mangerai pas de panna cotta, attention. Ah, je te donne ma cuillère. Ah non, bah tu peux la garder ta cuillère. Merci. Si tu manges, tu peux la garder. Non mais il y en a d'autres là. Il y a des là, là, là dedans, là dedans, là où il va, là. À côté de là. Là dedans, là dedans, il y a des cuillères, des trucs et tout. Ah ouais, s'il te plaît. Voilà, ne vous disputez pas les enfants. Oh là là. Heureusement qu'il est là pour rétablir l'ordre. Un homme de paix. Non mais c'est. Panna cotta. La panna cotta. C'est laquelle ta panna cotta? Mais franchement, Giga Etienne, tu me fais de la peine. Pourquoi? Mais oui, il a perdu la bedaine. Non, j'ai toujours la bedaine. Je fais un peu de sport, mais c'est pas encore mais ça. Mais Giga Etienne, tu vas manger quand même. Mais je mange petit à petit, ne t'inquiète pas. T'as les relous. Dans un vrai squat, dans une vraie soirée, tu manges pas comme ça. Tu manges un petit peu de temps en temps. Dans les squats, tu manges comme ça. Oui, oui, non, mais prends ton temps. Entre chaque gorgée, t'es bien. Moi, j'ai vécu avec karaté. Si tu mangeais pas vite, c'est lui qui mangeait à ta place. Sauf du porc. C'est ça. Voilà pourquoi. Je n'achetais que du porc. Je n'achetais que du porc. Et que mon cancer du côlon se porte très bien. Et que je n'ai aucun cancer du côlon. Oh là là, putain. Donc ce débat. C'est le mec qui te porte l'œil, tu sais. Alors, très bonne question du chat, pour une fois que j'ai vu un bon commentaire. Ah ouais. C'est Eorl, voilà, je le cite parce que lui. On a fait GE2 dans les derniers squats des listes. On s'amusait à faire des tournois parce que. Ouais. On a pris tournament, on s'est dit vas-y le GOTY, vas-y le top 100, vas-y machin. Quel serait, mon cher GE2, ton top 10 de tes jeux? Ah bah oui, c'est vrai, c'est la tradition ici. C'est la tradition. Comme c'est ça, en fait top 10 du cœur. Non, mais tu sais quoi, moi je trouve que ça en dit long sur une personne. Du GOTY. Ever, t'es préféré. Ever. Tes 10 jeux les plus marquants de ta vie. Je pourrais pas donner un chiffre. Donne dans le désordre. Dans le désordre. Allez, non, pas d'ordre. Animal Crossing. Ouais, Animal Crossing, New hein Leaf. Ah, mais tonton, on l'influence pas. Putain, non, mais c'est ouf. Mais je connais mon mec, laissez-moi. D'accord. Sinon, Smash Melee. Ça fait deux. Smash Melee. Ah, t'as pas choisi le pire, ça va. Non, Brawl, c'est sympa, mais c'est pas. Voilà, moi j'ai grandi avec la GameCube. Regarde, là sur le chat, il y en a un qui dit Earl Suceur. Eh ben, il dégage. Parce voilà. Qu'il est jaloux. Et la jalousie est une mauvaise. C'est comme à l'école. Ah là là, le comment ils appelaient le ça faillot. Le faillot, c'est voilà. Ça. Ah, lui, il y a un faillot. Voilà. Un faillot. Donc jeu de Smash Animal. Attention, joueur de mêlée, mais pas de tournoi. Je ne suis pas de cette déviance-là. Metroid Prime. En fait, tous les jeux GameCube, en fait. Un jeu de chiasse. Ça fait 3. Hein. 3. Metroid Prime, très, très, très bon choix. Un jeu de chiasse. Wind Waker. Un très bon jeu. Encore GameCube, ouais, le meilleur. Un NSX, GE2, révélation. 4, Kirby Superstar Ultra. C'est la version Superstar du X. Ouais, c'est la version. Celui à Samurai. C'est la version, ouais, la version DS, la version du jeu SNES, bien. Qui est un peu plus beau pour le coup. Mais c'est encore du Nintendo. C'est ça. Allez, 5. Je mettrais Doom. C'est pas ton jeu, Doom. Ouais, Doom, c'est sympa. Enfin, il est très haut, tu vois. Doom, tu le mets? Je sais pas, je mettrais bien un Bloodborne. Bloodborne 6ème, c'est trop récent. Bloodborne. Ah bah on m'a pas dit une période, on m'a dit du cœur. Non, non je sais mais. Tu préfères Bloodborne que les Dark Souls? Bah je trouve que les Bloodborne sont mille fois plus nerveux et c'est un peu différent et je préfère ce côté un petit peu. Tu prends 1000 dans la gueule, tu leur mets 1000 dans la gueule, tu vois. Mais le 3 quand même. Le 3 est bien, le 3 est génial, mais tu vois, j'ai pas la même claque que j'ai eu en Dark Souls. Tu préfères Dark Souls que Bloodborne? Parce que vous êtes blasé. Je préfère Bloodborne que Dark Souls. Après, j'ai pas fini Bloodborne, je suis au début et je pense que je vais y rester longtemps. Sinon, on a 7 on est à Bloodborne. 5. Non, 5. T'es 5. Sur 7, moi j'ai 7. 6. 6. Ah, 6, oui, je suis con, je dis 7 et j'en dis ça. Oui, il est Bloodborne parce qu'il parle du DLC, bien évidemment. Oui. C'est quoi tous ces bans? Eh ben, tu dégages. Alors, 6, mais attends, il y a mais quoi? Le pauvre, il n'avait rien. Ne cherche pas, Jill. Réfléchis en jeu PC sinon, parce que j'ai joué pas mal de jeux PC. Ouais, mais aucun t'a vraiment marqué. Si, Just Jack Rabbit sur DOS. Ouais, très bon jeu. Sérieux?
Ah, il est dans le jeu, non, ça c'est non, ça par contre. Ah non, il y a ton jeu là, tu jouais tout le temps Spelunky. Ah oui! C'est un jeu que j'apprécie, mais c'est pas un jeu, tu vois, que du cœur vraiment, tu vois. C'est un jeu que je ponce, tu vois, c'est comme PUBG ou Overwatch, tu vois, par exemple. Donc on est à 7, hein. Tu vois, c'est ça qu'on disait, c'est que les jeux qu'on joue le plus, on les met jamais dans les tops. Est-ce qu'un roguelike, ça peut vraiment être là? Bah ouais, ça peut vraiment être bien, hein. Être vraiment un jeu de la vie de tous les temps. Bah je pense que ouais, par exemple Isaac, tu vois, Isaac 8. Isaac pour toi ça serait un de tes jeux, un meilleur jeu de tous les temps dans, bah, c'est, dans ton c'est top un jeu 10, quand même, quoi. C'est un jeu que j'ai vraiment suivi, que toi je pourrais racheter sur Switch si je voulais vraiment et que j'aurais plaisir à refaire à zéro, tu vois. Pour moi un jeu de la vie c'est un jeu tu peux ouais, tu l'as fait une fois, ouais, Isaac, tu peux le refaire une fois, trois fois, mille fois. Tu vois par exemple Overwatch, surtout qu'il y a tout qui change. Enfin dedans il y a tout ça. Et tu vois, par exemple, Overwatch, je sais que je suis blasé, j'ai plus envie d'y jouer, quoi. J'ai joué un an et je fais... Avant, je disais, oh, trop bien, des nouveaux events, des coffres, tout ça. Maintenant, je suis... Pff, ouais, bon, bah, je m'en fous, quoi. Et PUBG, tu l'as dosé un peu? PUBG, ouais. Il est fun, quand même. PUBG, c'est un jeu que... Enfin, on va voir dans quelques temps si j'ai encore du fun là-dessus, mais c'est un jeu que, tu vois, c'est, je m'amuse bien, seul, avec des potes... Sans faire exprès, tu joues avec Timot? Oui, des fois je le TK. Tu joues avec Timot? Le pire, ce qui m'est arrivé, c'est à un moment. Putain, mais faut que tu viennes un week-end. Tu sais, le week-end, ils font les mini-concerts. Ils jouent avec Timot et Zoltan, mais un week-end, viens. Franchement, moi, je dis pas non. Hein. Tu fais deux games, quoi. Voilà, ouais, histoire 2. Donc, du coup, on en était à 7. J'ai jamais eu le droit. Hein. 7. On en était à 7. Hein. Il y en a 3. Metroid Prime, nanana. Duke Nukem 3D, je mettrais. Duke Nukem 3D. Valeur sûre. Fire Emblem Awakening, qui est. Fire Emblem. Parce que pour moi, c'est un jeu qui m'a vraiment initié à Fire Emblem. J'avais fait un peu rapidement ceux sur GBA. Et Awakening, c'est encore le GameCube? C'est 3DS. C'est le premier sur 3DS. Pour moi, j'ai jamais pu, moi, Fire Emblem. Oh, je peux comprendre. J'étais trop Advance Wars. Ah, bah après, alors voilà. Toi, c'est... tu vois, je pense qu'il y a deux écoles, tu vois. Quand t'es Advance Wars, c'est dur, Fire Emblem, quand tu perds ton gars et qu'il faut faire. Bah, tu peux pas. Ouais. Moi, je suis team Advance bah, Wars après, aussi. Vois, d'ailleurs, Awakening, il faut vraiment t'as la possibilité de faire un mode où quand il meurt, il revient. Mais tu vois, c'est vraiment le premier où je me suis vraiment initié à Fire Emblem, où j'ai vraiment kiffé le système de jeu et je fais jusqu'au bout. Enfin voilà quoi, parce qu'après par exemple les Fire Emblem Fates qui sont très sympas, mais il y en a trois et c'est un peu relou de racheter trois fois le même jeu. Il y a Wargroove qui arrive, Wargroove. C'est ouf quand même, Nintendo ils font tous les jeux qu'ils font plus. Oui, c'est le nouveau Advance Wars. Le nouveau Intelligent System. C'est ça. Non, c'est fait par des indépendants ça. Wargroove c'est fait totalement par des indépendants. Ça sortira sur Play 4. D'accord. Mais d'abord sur Switch je crois, exclu temporaire sur Switch. D'abord sur Switch. Il était annoncé au lancement de la Switch et. Non, je crois que c'est après, ouais, c'est le truc indé. Ouais, tu sais, il y avait dans le truc des jeux annoncés. Gilles a annoncé son dessert en 30 secondes. Mais on l'a jamais. Oui, il a été annoncé au lancement, mais à pas. Oui, il sort au lancement. Eh, il reste une panna cotta. Oh, mais mangez-la si vous voulez, mais moi c'est la mienne. C'est la non, mais bouffez, hein. Tu vas manger. Mais jeu 2, tu n'as rien mangé. Jeu 2, il y a un truc qui a changé. Es-tu le vrai jeu 2? Alors en fait, depuis le début, je suis Mister Timothée. Pourquoi t'as mangé avant de venir? Voilà. Xbox, et il fallait Xbox. Il a mangé avant de venir. Après, il t'en reste un. Il m'en reste un. C'est compliqué parce qu'il y a plein. Alors, je vais faire une liste de jeux qui ne sont pas dans cette liste. Tu sais que chez nous, c'est Red Dead Redemption. Alors, je suis pas très Red Dead. C'est Red Dead Redemption qui a gagné chez nous. Il était en finale contre Togo. Pokémon Rouge. Pokémon. Mais non, c'est Pokémon qui a gagné. Pokémon Rouge qui a gagné. Ouais. C'est Pokémon qui a gagné, bordel. Quand je te dis qu'on est une télé de NSX, je te jure. Hein. Non, mais ouais, le truc, c'est que. Ouais. En fait, il y a tellement de jeux que je vais kiffer, mais je sais pas si je vais mettre mon top 10. Bah non, Sonic 2 sur Mega Drive, voilà, c'est bon. C'est Sonic gagné. 2 ouais. Ah oui, moi aussi. Il n'y a rien à dire. Elle a carrément dit rien parce qu'on peut jouer à plusieurs. Moi, je l'avais mis. Parce qu'on peut jouer à plusieurs, on peut faire de la course, le mode Super Saiyan. Sonic Mania, cette pépite. Les musiques, c'est chef d'œuvre, ouais. Franchement, et quand tu vois Sonic Force derrière, tu fais putain, les gars, vous sortez ça et après vous nous refoutez ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas la même team. Hein. Bah, c'est ça, mais c'est triste de dire que le fan game est mieux Sonic que les mecs de Sega, quoi. C'est ouf. Hein. Quand tu vois le casino level qui est vide, moche, sombre. T'as le casino du 2. Ouais, mais alors que le casino de Sonic Force, c'est la tristesse, quoi. Ouais. T'as l'impression j'ai que tout ce qui est ouf. C'est sorti Sonic Force, t'as un trailer, enfin t'as du gameplay, et c'est la tristesse Sonic Force, quoi. Un bon Sonic Trunks. Oh, joli. Joli. Non, tu bannes pas. Non, je le banne pas. Non, quand c'est drôle, je ne banne pas. Ça va. Tu vois, Nick Trunks, c'est de la méchanceté gratuite. Mais des fois, si t'es fâché, tu peux trouver pas ça drôle. Non, mais... C'était une autre époque. J'ai beaucoup d'humour. Okay. Moi, j'ai de l'humour en toutes circonstances. À revanche. Alors... Il en banne 5 par. C'est de l'humour, tu vois. J'arrive sur le stream. Quand j'arrive sur le stream. J'en banne 5. Du coup, on nous signalait
un faillot, comme on peut dire, sur le chat nous a signalé que c'était l'heure de la pub. Du coup, on va mettre la pub, on va ranger un peu. Et quand on revient, on vous parle d'une autre personne. Pour qui c'est une journée spéciale aujourd'hui. Ah voilà. Oui, c'est vrai. On en parle juste après. Oui. On met la pub et on revient. A tout de suite, dans 5 minutes. Ah oui, mon lacet est défait. C'est l'heure de la pub. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est l'heure de la pub.
comment dire. Comment dire quoi? On est à l'antenne. On débat sur les génériques de Pokémon, c'est super intéressant. C'est quoi le vôtre préféré? Voilà. Bah attends, on peut c'est... peut-être oui, même les voilà. Passer. Quel est votre générique Pokémon préféré? Attention, quel est le meilleur générique de Pokémon ever? Parce que d'après JVC, tout le monde va dire le premier. D'après JVC, c'était lequel de saison? Je sais pas, moi c'est le deuxième que j'aimais bien moi. Le attends, JVC ils ont fait un dossier sur le meilleur générique de Pokémon? Non, ils ont juste dit c'est le meilleur Pokémon générique. Mais JVC ou le forum de JVC? Non, JVC le Twitter. Ah ça c'est important. Ah oui, donc du coup c'est Nagla ou c'est. Ouais, c'est Nagla. C'est Nagla qui est de retour. Je pense que c'est Nagla, ouais. Du coup, ce serait lequel, le premier? Le bah, monde le premier. Change ouais, tout, le premier, tout je... autour de nous. Ah non, moi j'ai le deuxième. Ouais, c'est ça, c'est le deuxième. Non, ça, c'est non, ça, c'est Johto. Entre temps, il y a Ligorange. Ah, ça, c'est le préféré de JVC. Toi, c'est la Ligorange. Moi, je dois connaître que les deux premiers. C'est pas Ligorange, je crois, le deuxième générique. Enfin, c'est le deuxième générique en tout cas. Ouais, c'est ça. Alors, premier générique Jap, il est pas mal aussi, le premier générique Jap. Ah, j'avoue, le premier générique Jap. Oui, non, il est bien. Mais le premier générique français. Ah, la chanson Magikarp, elle est là. La chanson Ramolos. La version dans le film. T'as vu, ils ont fait une chanson Magikarp, une chanson Ramolos et une chanson Métamorphe. Métamorphe, oui, la Métamorphe, j'ai pas... Métamorphe. Les mecs, ils sont partis en couilles. Enfin, ils sont partis en couilles. Ils ont le droit. Hein, mais... Toujours avec le petit enfant qui chante. Ouais. Ouais, ouais. Trop bien. La chanson... Dans celle de Métamorphe est trop bien. La chanson Métamorphe, elle est stylée. Mais on avait passé dans un squat le chanteur du premier générique. Oui. Il y a pas si longtemps, hein. Ouais, il est sorti de la sa grotte en mode coucou, je suis là, il tout le monde fait, oh, c'est lui, putain! C'est ça. Ouais. Et en fait, il s'est dit, bah, moi aussi, je peux devenir une star, c'est bon. Bah, je peux aller en convention, hein. C'est des autographes. Bah, en vrai, il a totalement raison, le mec, bah, c'est une voix que. Bah, le mec, c'est une légende, bah oui, c'est ça, on l'écoutera encore dans 30 ans. C'est 30 ça. Ans. Il ressemble à quoi, le chanteur? C'est mieux que Bernard Minet? Ouais, ouais, c'est mieux que Bernard Minet. Mec, Bernard Minet, il a fait Nicky Larson. Non, c'était pas Nicky Larson. C'est pas Nicky Larson. Il a fait Cheveux de Zodiac. Ouais, mais Cheveux de Zodiac, il repartait à ta queue. Il a fait Bioman. Ah oui, Bioman. Moitié garçon. Tu connais, toi? Bah, bien sûr. Tu connais Ranma? Mais c'est vieux. Bioman, pourquoi tous les méchants? Aidez-moi, Bioman. Mais les inconnus, ils s'étaient foutus de sa gueule. Je crois qu'il a fait tous les Bioman. Avec son vieux fond vert. Pas le tout premier. Non, il y en a un plus vieux qui l'a fait, non? Il y en avait un avant ça, parce que Bioman, au tout début, ça passait sur Canal+, avant le Club Dorothée, quand c'était vraiment genre en 85, tu vois, en 84. Putain, Bioman, merci. Oui, et oui, là-haut Trunks. Mais par contre, merde, Nicky Larson, le générique est stylé, quoi. Oui. Le pire, c'est le clip sur le Club Dorothée, où tu vois le mec avec les mecs qui font de la guitare et de la batterie, alors qu'il n'y en a pas dans le... Ah ouais. Tu vas sur le Génération Club Do, tu peux voir du coup les clips, et tu vois le mec qui chante, et tu vois les musclés et Bernard Minet qui font la musique, sauf que... Bah non, ça correspond pas du tout à la musique, quoi. Donc c'est vraiment un vieux bébé de merde, quoi. Le mal est toujours puni. Bernard Minet, apparemment, c'est un Hokage de la batterie. Hein. Ah, mais il rigole pas. C'est mais tu sais que les musclés sont tous de bons musiciens. Ouais. C'est des bons musiciens à la base. C'est pas des arnaques. Après, ils sont mis à faire les cons. Salut les musclés et le gueule et les conneries. C'est AB Pro qui ont C'est des vrais putains de bons musiciens. Ils ont fait des albums pour des Rip in Peace, Papy René. Et je crois même que Rémi, il est mort. Eric, Framboisier est mort. C'est Eric. Framboisier est mort. Mais Framboisier. C'est normal, il était pas vegan. Ah, Framboisier, ouais, Framboisier, il a fait n'importe quoi de sa vie. Ah bon, tu penses? Ouais, comme Philippe des To Be Free. Ah ouais, il a tout brûlé, il a brûlé la vie par les deux bouts. Ouais, c'est ça. Il a tout essayé. Philippe To Be Free, il est pas mort d'une maladie, lui? Attends, tu veux dire que dans les musclés, il en reste que deux? Toi, tu jouais Ariane, à ce qui paraît. Ariane? Il y a des histoires. Ariane, c'est vraiment le copinage du générique. Et elle a fait le bon. Ariane, elle aimait. Elle aimait le saucisson. Elle aimait. Ah ouais? Oh là là, mec, qu'est-ce qu'il dit? Ça, toi, Moi, j'ai des sources. Bah, t'es copain avec Jackie. Moi, j'ai des sources. Il est copain avec Jackie. Elle était pas vegan du tout. Mais pourquoi on parle au passé? Elle est vivante. Elle est vivante. Ah ouais, elle est vivante, Ariane. Et Dorothée aussi. Elle revient en concert, elle remplit Bercy bientôt. Non. Sérieux? Non. C'est possible. Hein. Dorothée, qu'est-ce qu'il fait maintenant, Bernard Minet? Il fait des conventions. Il fait des foires à la saucisse. Exactement. Ouais. Vraiment, quoi. Vraiment. Ouais, il fait des foires à la saucisse. Ouais. Il fait les conventions. Ouais. Enfin, voilà. Hein, okay. Et Valériane est devenue quoi? Elle aurait pu faire un petit tweet. Valériane, c'est qui fait, moi? J'ai vu Valérian, tu vois. T'as par contre la meuf de Twitter, c'est quand même l'âme. L'âme là, tu la suis. L'âme UA. Non, l'âme, la chanteuse. La vraie l'âme. La vraie. Ah, apparemment, Bernard Minet, c'est celle la pub. Celle de Cendrillon. Cendrillon, oui, aussi. Ouais, la meuf, elle est à 200 à l'heure sur Twitter. C'est ah ouais assez fucked up, quoi.
C'est vrai que je me suis fait c'est comme si tu imagines une maman qui découvre Twitter et qui fait des blagues sur Twitter comme si c'était sur Facebook et elle... enfin, c'est très rigolo quoi. C'est pas vrai. Ariane est mariée à Rémi. Ouais, c'est vrai. Ah bon ? Rémi Chanson. Ah merde. Mais il lui faut tout à Rémi Chanson. Il Gugu, elle devient quoi ? Mais Gugu, elle était canon. Putain, il bah, Gugu, c'est une Hollandaise, c'est ça ? Suédoise ? Suédoise ? Malgache, non ? Ah non, pas malgache, il Gugu. Ah bon ? Genre, elle ressemblait un peu. C'était qui votre crush dans toute, toute l'AB Galaxy ? Le qui crush votre préféré ? Moi, je jouais Lali. Lali ? Moi, je jouais Lali, ouais. Putain, mais lui c'est brésilienne c'est à fond. C'est Brasil, c'est Loufette. Et ben moi c'était. C'est et ben moi c'était Mallory Nataf. Le miel et les abeilles. Oh, non, non. Mais si, la petite culotte. Je te souviens pas. Et Giant Cuckoo aussi. Giant Cuckoo. Ah, je... Il vient quoi lui, tu vois. Je crois qu'il était magnifique. Il est mort. Peut-être. Je crois. Mais oui, il est mort. Mais rigole pas. Comment tu dis ça ? Mais Giant Cuckoo, il est mort. Giant Cuckoo, il est mort. Ah non, je rigolais parce que je lisais le chat. Ah. Ah, il est mort ? Bah, je crois. Non. Mais oui, regarde le chat, RIP. Mais bien sûr. Ah merde. Mais ça fait longtemps. Merde. Mais ça fait super longtemps, ça fait 12 ans. Oh, le pauvre. Accident de voiture. Putain, ils savent tout. Gilles Bénédicte. Tu vois, sur des hardcore gamers Bénédicte, et hardcore AB aussi, tu vois. Ouais, on parle de séries de Gilles qui sont sûrement trop vieilles pour que tu aies et connu. Moi, j'ai pas trop connu. Hélène et les garçons. À part les musclés, tu vois, j'ai pas connu grand chose. Hélène et les garçons et tout. Mais du coup, maintenant, il y a encore les mystères de l'amour qui passent sur TMC ou je sais pas quoi. Bien sûr. Où t'as les mêmes, mais ils ont mon âge. Enfin, c'est voilà, ils ont 40 balais. C'est les mêmes. Ils ont tout gagné. Les mecs qui avaient 10, 15 ans qui regardaient ça, maintenant, ils ont 40 ans comme les acteurs et ils regardent ça, quoi. Mais moi, je regarde. Et maintenant, ça parle de cul, de drogue, d'échangisme, de mais meurtre. Ça parlait déjà de cul, de drogue et José aussi, il était sexe, José. Ouais. Ah, José, c'est tellement un main. Mais, mais tu sais, José, il est toujours dans les mystères de l'amour. Et José, c'est toujours un bagarreur. Ah ouais. José, tu l'embrouilles, il n'y a pas... Mais est-ce qu'il y a des vrais bagarres maintenant ? Mais il y a des bagarres. Est-ce qu'il y a des chorégraphies ? Il y a des combats. Non, mais hallucinant. C'est incroyable. Il y a des enfants cachés, il y a tout. C'est vrai, il avait des petits gilets, José. Non, moi, je jouais la meuf, là, la meilleure amie de Vivez dans les filles d'à côté. Et celle qui a joué ensuite après dans Sous le Soleil. Comment elle s'appelle ? Sous le Soleil ? Ouais, Brune. Oui, l'ex-femme de Johnny Hallyday. Ah, c'est peut-être ça. Laetitia, c'est machin qui connaît tout ça. Pas Laetitia, l'autre. C'est Genius. Adeline Blondio, merci. L'ex-femme. Adeline Blondio. L'ex-femme de Johnny Hallyday, mec. Mais tu veux rire ? Arrête, elle est mais c'est l'ex-femme de Johnny Hallyday. Attends, franchement, elle a des dents, on dirait qu'on peut marquer entre les poteaux. Verdier, tu peux pas nous montrer des photos, là, Verdier ? Même en MILF, c'était pas mal. Non. Attends, non, il faut qu'on juge. Est-ce que j'ai fantasmé? Bon, vas-y, Verdier, va sur tournament. Vas-y. Non, tu sais, le lore, bien, ça, c'est Genius. Genius, il te sort tous les noms, tous les. Ah, mais trucs. Putain, non, mais Genius. Regarde, mais non, j'avais mais oublié. Hey. Craqué. Regarde, non, mais ça, c'est pas. Maintenant. Mais je sais. Regarde, ça, c'est MILF Adeline Blondio. Mais à quel âge maintenant? Bah, elle doit avoir 50 piges, Adeline. Bah non, ouais. Mais quand elle a épousé Johnny, elle avait 20 ans et Johnny il avait déjà 70 ans. Bah, mais il n'y a pas de poteau ni rien du tout. Ouais, tu dis mais il y a autant d'espace entre ses dents qu'entre les tiennes. Bah oui, mais moi j'ai des dents pareilles. Par contre, elle a un énorme strabisme là. Regarde, franchement, tu me mets une perruque, c'est moi. Là, on a l'impression qu'elle regarde le vide là. C'est... Non, mais c'est des vieilles photos qu'il faut voir. C'est sur nos copains, ça. Tu sais quoi ? Tape Adeline et tape fille d'à côté ou je sais pas quoi. Ouais. Putain, et les bras de Gérard Vives, hein. Bah oui. Les bras de Gérard Vives, le tonton de Bastien Vives qu'on salue et qui sera bientôt avec nous d'ailleurs. Ah oui, complètement. Gérard Vives, Bastien, qui était co-animateur du Juste Prix avec Vincent Lagaffe aussi. Oh là 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 là. Oh Gérard. Oh Marc, il est mort. Ah ouais. Non. Marc, non, il est mort. Aussi Marc, putain, il est mort. Mais pourquoi ils meurent ces gens-là? Mais parce qu'ils mènent une vie de plaisir et de volupté. Faut arrêter de mourir. Il goûte à toutes les. Mais tous ça, les oui, je regardais petite, mais je regardais ça. Très peu. Les filles d'à côté. Ah, c'était oui. Nul. Avec tu te souviens de Marcel Noir. Tu te souviens de. Oh, putain, et petit Marcel à chaque fois. Tu te souviens de la grosse. Tu sais, la très très grosse. Nouvelle fille d'à côté, c'est un peu. La très très grosse qui venait draguer Marc. Gérard, putain. Putain, ils étaient. T'as Marc, par contre, c'est tellement le gros loser. T'avais aucune empathie pour lui. C'est ça. C'est le mec qui réussit à rien, t'as l'impression que non, Gérard, il est sur les meufs, stylé quoi. De ouf, tonton. Gérard, il avait des bras, c'était des cuisses. Adeline Blondio. Voilà, elle là. Oh, elle. Oh, ah oui, d'accord. Non, mais elle, il y a des. Non, mais elle était mille fois avant. Elle, dans les filles d'à côté. Ouais. Elle était fabuleuse, elle. Et il y avait Karen Cheryl. Il y avait Karen Cheryl. Voilà celle du milieu là.
Putain, cherche son nom. Prends les françaises, quoi. Mais plus blanc tu meurs, je pense. Je sais même pas comment elle s'appelle. C'est vrai qu'il y a des boobs. Bah oui. C'est pas que des boobs, c'est aussi l'art de montrer les boobs. Bah ouais, ça, à l'époque, on savait. Mets-nous une photo de Patrick Puydebas, s'il te plaît. Oh, mais merde, mets-nous une photo de Patrick Puydebas. Patrick Puydebas. Qu'on voit, c'est quoi un vrai mec? Les actrices. Christiane Jean. Après, il y a plein de spin-off aussi, il faut pas oublier. C'est, ah oui, c'est le MCU Algérienne avant le MCU. Algérienne mais, comment ça? Algérienne. Mais mets-nous Patrick Puydebas. Mais pourquoi Patrick Puydebas? Parce que c'est le main. Ça, c'est le Luke Skywalker du Laura Bern. Non, mais c'est le top 1. Moi, je préfère Patrick Puydebas à ta Adeline Blondio, là. Hein. Oh là il y a un Y, Lui, c'est le meilleur. Lui, c'est le meilleur. Franchement, il a pas changé. Non, mais c'est le meilleur. Il a un peu changé quand même. Là, il a changé. Et Hélène. Bon, Hélène. Regardez, on zoom. Ah, Patrick Puydebas, c'est un... Non, mais lui, c'est un tueur, lui. Mais t'as des photos de l'époque? Bah, c'est un peu plus l'époque, ça. Non, oh non, il faut taper Hélène et les garçons. Une photo pure people, voilà, c'est aujourd'hui. Mais un truc à l'ancienne. Mais AB Production. Non, mais cherche Hélène et les garçons. Voilà. Oh là là. Il a un petit côté Tommy Wiseau, comme ça, je trouve. Oh là, il était tellement sexe. C'est Dawson avant l'heure. T'as cher José. Très belle cheveux. Cher José, Hélène et les garçons. À l'époque, les mulets en même temps. Y a pas de raison qu'il y ait que des meufs en décolleté. Regarde ça, putain. José. Ouais, je vais mettre José. Vas-y, et José. Canu, tu te souviens de Canu? Canu, oui. Canu Reeves. C'est celui-là qui faisait des percussions. Oh putain, tu te souviens de lui? Mais ah, merde. Bah oui. Oh là là, putain. José, oh là là, ce auto passé, autant la... Oh là là. Putain, on dirait Olivier Mine. Sans les cheveux, t'as vu? Oh, ce spoil Olivier de Mine ouf. Et Mine. Ce spoil de ouf, en fait, tu coupes les cheveux de José, ça devient Olivier Mine et Mine. Oh là là. Putain, garanti, hein, José. Oh là là, il y a Patrick Puydebas. Oh là putain, là. Mais ça, c'est un artwork pour un stick. Oh, et Bénédicte. Le stick la plus dégueulasse. Pour de l'histoire. Tu fais un artwork avec José, mais t'es invincible. Cette photo-là, c'est. Laetitia, ça aussi, c'était pas mal. Ça. Mais c'est Manuela. Manuela Lopez qui a posé à poil. Ah bon? Et qui a fait des films érotiques, je crois. Non. Je sais plus. Là, je mélange. Parce que j'ai une grosse base de données. Par contre, Mallory Nataf a fait SDF à un moment et c'est super triste. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit complètement vrai. Enfin, je crois que si. Enfin, ça a fait à un moment le. Regarde Béné. Non, mais Bénédicte, tu sais quoi, j'ai dit un truc. Entre deux meufs. Ah, le mec. Bénédicte, putain. Ah non. Ouais, t'as dit avec Claire Chazal. Bah oui, bah écoute, t'es content si tu ressembles à Claire Chazal. Bon, là, on est d'accord, c'est Photoshop et compagnie. Non, mais Béné, elle est toujours stylée. Regarde. Les tétons de Mario. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il semblait qu'il était gay, je crois. Ah ouais? Ouais, c'est un épisode, en fait, c'était un rêve. Ah, il y a un épisode où il s'embrasse. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est les mystères de l'amour. Ouais. Je te dis, c'est la version adulte et il se passe des trucs, t'hallucines. Il veut rien dire. On dirait tellement Old José. Putain, on dirait Jacques Higelin. C'est Jacques Higelin. C'est le grenier qui fait l'ingénieur son, là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est beau, hein. Oh là, mais regardez, Hélène. Et Cricri, alors, on en parle. On sait pas ce qui est devenu. Bah, il est là. Cricri d'amour, regarde, il se tape. Regarde, c'était le cadage de l'époque, hein. Regarde, en haut à gauche, complètement, là. Hein. En haut à gauche. Là, ah oui, oh bah, ouais, c'est cadage. Ouais, c'était franchement, je crois qu'ils sont inspirés de lui pour c'était faire le cadage. Rebelle, mon gars. Avec les petites boucles d'oreilles et tout, hein. T'as vu? Ah, oh, mais il était tellement garanti. Le mauvais bois. Ah, oh, c'était un mauvais. Mais du coup, Cricri d'amour, tu te souviens avant, il était avec celle qui parlait américain. Oh là là. Tu te souviens? Bah tu te souviens, oui. Là, il a pas changé. Joanna. Mon Cricri d'amour. Oui, mon Cricri d'amour. Voilà. Et aujourd'hui, dans la série, il est avec la meuf la plus bonne de la série. Bah, normal. Cricri d'amour. Ouais, genre, elle a 15 ans de moins que lui, les canons. Ah oui. Ça veut rien dire. Ouais. Un et modèle. Cathy Andrieux, alors. Mais elle, c'est un DLC, elle n'existe pas. Si, elle n'est pas canon. Elle est pas... Si, elle est canon. Et ça, c'est Ingrid. Alors, Ingrid, attends, personnage hyper important dans les mystères de l'amour. C'est la plus parce que... Non, je te jure, parce que non seulement elle est bonne, mais en plus, elle est hyper importante. En gros, c'est la meuf, tu sais, elle est démoniaque. Non, mais tu sais, elle est méchante. Ouais. Ouais, c'est la méchante, et en fait. Pourquoi il y a José Bové? Pourquoi il y a José Gilles, Bové? Gilles, t'en penses quoi de tout ça, toi? Elle, il est devenu quoi, là? Comment il s'appelle, le truc qui chantait, là? Oh là là, ils sont embrassés. Oh non! Oh là là, ce poil de ouf! Oh non, c'est pas. Oh là là! Ils ont fait ça! Oh les acteurs! Putain, mais c'est des vrais acteurs! Ouais, mais c'est comme s'il embrassait son frère là, depuis le temps qu'ils se connaissent. C'est ça. Attends, mais comment il s'est appelé l'autre? Ah, regarde lui là à gauche, Étienne!
Un vrai BG. Ah ouais. Ah mais lui, tu sais, quand tu allais sur La Redoute ou sur Trois Suisses, oh eh ben, il était dans le catalogue. Ah ouais. C'est lui qui portait les fringues. Sérieux. C'était le vrai mannequin de l'époque. Il a fait des pubs genre pour les parfums et tout. Hein. Non. Mais ouais. Incroyable. Un vrai putain de BG. Ah. Et là, c'est quoi ça dans le lore? Je sais pas. T'es un empilement là. Comment il s'appelait l'autre là, celui-là qui chantait, Christophe Ripper. Oh là là. Qu'est-ce qu'il chantait lui? Il chantait. Attends, on va trouver la chanson. J'avais mis une photo de lui quand je jouais Ripper à Overwatch. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain. Tu connais ça, ton tonton? Oh là là, regarde Gilles. Attends, on va demander l'avis de Gilles. Est-ce qu'il est beau lui? Là, il est beau comme ça. Pas lui, l'autre. Dès que ça vieillit, Gilles, elle trouve ça beau. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais celui-là où il y a le truc du cinéma là. Mais il a un beau visage. Tu vois qu'il est beau. Mais la coupe, c'est bof. Voilà. Oh, la coupe. Oui, mais ça, c'est les coupes de l'époque. Johnny Depp. Mais le mec, il est beau gosse. Oh là 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 là. C'est un beau. Il a un beau visage. C'est un peu le Johnny Depp. Anthony Dupré. Anthony Dupré, tu te souviens, tonton? Bien sûr. Ah, c'est lui là. Alan Théo. On dirait un peu Vincent Cantin. Ah ouais, c'est lui, putain. Il ressemble plus à rien. Bah arrête. La drogue. Il a ripé. T'as un genre de photo quoi. Ah, il a ripé. Bah, il s'est fait refaire le nez. C'est faire faire le. Bah, c'est pas le même nez, on dirait, c'est pas le même nez. Tu sais qu'Alan Théo, il a fait un porno? Ouais. Je crois, hein. Ah parce bon que tu sais, sa carrière, c'était fini, bah, il s'est dit, bon, faut qu'on parle de Anthony moi. Anthony Dupré, waouh, je vais montrer ma dark. Bah, parce qu'il disait encore emmène-moi, du coup, à la fin. Tu sais comment ils sont devenus dark? Anthony Dupré, BG. Il est devenu dark. Waouh, comment il s'appelait, lui? Lui, c'était un de la bande. Sébastien Courriveau. Oui, il s'appelait Sébastien aussi dans la série. Ouais, il s'appelait Sébastien. Il était tellement mauvais acteur que si on lui donnait un autre nom, il comprenait pas. C'est le changement est Carré. Oh mais oui. Ah oui, il fait daron lui. Putain, l'anglais des filles d'à côté. Mais regarde, il est encore il a pas changé. Mais encore mieux maintenant. Il est limite plus jeune à droite, c'est ouf quoi. Ça veut rien dire. Je pense qu'il y a du Photoshop sur la droite, mais il fait plus jeune en tout cas. Ouais. Mais il est putain. Et la barbe lui va mieux. Ouais. Ça fait daron. Ouais. Gauche, ça fait père de famille. Droite, ça fait daron. Ça fait Bogdanov, je trouve moi. Ah bon. Ah ouais, à gauche, ça fait un peu Bogdanov. Un peu ouais. Alors lui, c'est qui? C'est un acteur qui fait des trucs. On, voilà, s'en, fout, on s'en fout. Regarde, c'est lui le meilleur. Christophe Christophe Ripper. Regarde, on dirait Kenny. Ripert. C'est Kenny. C'est un peu les Kenny. Cheveux. Tout était en cheveux. C'est hein. Un peu Kenny à l'époque. Il y avait du volume. Ah, il y avait du volume, c'est ça. Le brushing de l'époque, c'est important. Hein, cette quand même. Violence. Et là, Benjamin Castaldi, on a qu'une raison. Le lore AB1. Mais qu'est-ce que tu fous là-dessus? Ah oui, putain. Ah, mais lui, il est mort. Philippe des 2B3. Philippe. Ah, il est mort aussi. Philippe Nicolic. Aujourd'hui, les stars de la télé, c'est ces meufs-là. IM. Ouais, c'est ces meufs-là. Hein. Ah c'est bon toutes les meufs d'énergie douce à remplacer les meufs d'AB1. Mm. C'est beaucoup plus. Mais c'est devenu ça. Hein. C'est vachement plus vulgaire c'est quand même. Hein. C'est-à-dire que les gosses, ils grandissent dans la vulgarité. IM est une femme respectable. Je te demande réparation. C'est tu peux être escort girl et être respectable. Oui, c'est parce que je dis que c'est plus. Non, mais c'est. Ah, c'est. Attends, c'est justement, c'est génial. Il me disait. Dans comment ça, dans la nouvelle série Mystère de l'amour, non? Non, de ah premier mais il faut baiser, inviter Genius, bordel. Ouais. Et ben maintenant Annette, elle sort avec le vieux. Oui, mais c'est Annette ça. Oui. Annette, la meilleure copine de Justine. Annette, mais oui. Elle s'est tapée Monsieur Girard, le père de Justine. T'imagines? Non. Une belle leçon de vie. Elle fantasmait sur lui avant. Mais donc ça, c'est plus respectable que NRJ 12. Annette, non, c'est pas ça. Oh putain. Annette, premier baiser. Premier baiser. C'était une main, elle mais aussi. Hein. Mais tu sais qu'en vrai, elle est mais bonne. Oui, évidemment, elle était ramochi. Ouais, elle était ramochi, c'était. Mais en vrai, elle était trop mimi, quoi. Mais elle l'est toujours. Elle l'est toujours. Voilà, regarde avec Monsieur Girard. Oh putain. Là, tu là, vois ça veut rien dire. Ah putain, elle est tu vois Monsieur Girard ça. Wow, mais ça, moi, c'est... tu me casses. Moi, ce qui me fait peur, t'imagines Léoff, quoi. Il était turbo mineur, le mec, voilà, quoi. C'est... Ben voilà, Annette. Ah, mais moi, je suis amoureux, hein, Magali Madison, là. Et je suis sûr que Genius, il l'aime aussi. Oh là là. Voilà, fais attention, parce que vu les photos, je suis choqué. Tu vois, regarde, ouais, jeune, en fait, elle ressemblait à ça. Elle est jolie. Mais elle est très jolie. Ouais. Elle est très 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 jolie. Il y avait Guillaume Canet, il avait tourné dans l'épisode. Complètement. Oh là oui là. Oh non, on dirait comment il s'appelle Minecraft. Minecraft. Oui. Le pote de tech, tout ça. Je sais pas. Putain, mais regarde, ils finissent ensemble, ces deux-là. Hunter Blicher. Ah. Trouve pas Ken, remonte, on dirait Hunter Blicher. Ils finissent ensemble. Ah putain. Oh là là. Ce petit regard coquin.
Mais regarde, c'est Monsieur Girard. Regarde comme elle le regarde. Ça, c'est les yeux de l'amour. Regarde. Regarde. Mais pourquoi ils ont fait ça? Tu vois, ça veut dire qu'elle le chauffait déjà quand elle était ado. Mais non. Ça veut dire que lui, c'est un vieux pervers, je pense plutôt. Merci, Karaté. Ah, le vieux scélérat. La mineur, majeur. Franchement, moi, mineur, lui crever majeur. Mais non, mais tonton, c'est la série. Mineur, tonton, c'est la série. C'est Je veux pas te savoir. Enlève, pitié, non, pas ça. L'adolescence va fouer. Non, enlève, fais pas ça. Fais pas ça, pas Annette. Pas Annette. Elle est emballée quand même, Annette. Elle est emballée, regarde, elle est emballée. On se lève tous pour Annette. Elle est emballée, putain. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est Alizé? Non. C'est Shime ça, non? Non, pas Shime. Bon, c'est Rebecca de Rivière. Il a piffé. Ça piffe à la relève. Je piffe comme ça. Ben, je sais pas. Putain, Annette, bordel. Tout mais pas ça. Mais je suis en train de brûler. Mais tu te souviens des sœurs jumelles Ever et Ever? Oui, merde. C'est... Non, c'est Yvon pas plutôt Suzy et Suzon. Suzy et Suzon. Attends, attends. Yvon et Suzon avec leur patinouette à la con, elles c'est ça? Elles sont devenues quoi, Yvon et Yvon, là? Putain, Yvon et Suzon. Premier baiser, jumelles. Tu tapes... Mais non, mais tape pas Yvon. Non, mais Suzy et Suzon. Suzy et Suzon. Suzon. Yvon et Suzon. Ah, ça tape rien, c'est de la merde. Mais... Alors, c'est le Dark Web. Les jumelles. Jumelles, AB1. Voilà. Ever et Ever. Regarde-moi Ever ça. Ever et Ever. Ever et Ever. Ça vaut pas les jumelles Olsen quand même. Hein. Christine et. Les jumelles Olsen, qui avec un voilà la version moderne. Ouais. J'aime pas trop ça. Mais ouais, j'aime pas. Ça elle fait faisait très peur riche. Parce qu'elle ressemblait à Nelly Olsen. Oui, exactement, tonton. Exactement. Ça fait peur. Nelly Olsen était méchante. C'était les jumelles un peu peste. Ouais, comme la Zinia dans Princesse Sarah. Attends, un peu, ouais. Mets-nous Ilgege, s'il te plaît, Ken. Ilgege, parce que ça, c'est. Ilgege et Valériane. Je sais même pas comment. Bernard. Tu te souviens de ce que je disais Bernard. Ah, oh, mais Ilgege. Ah, les gars, Ilgege quand même. Faisait peur, elle aussi. Oh, une version. Ah, ah, tête, tu vois, elle a une tête bizarre. Ouais, elle a une tête, elle va te tuer, tu vois. C'est... Ouais, ah bon elle a vieilli. Vous avez peur d'Ilgege? Oui, mais c'est le regard elle a vieilli. Tu peux sourire après. Ah, mais avant, ah c'est Risotto. Je suis sûr que Risotto, il connaît le lore. Oh, ah, mais... Non, c'est Pentaro en fait. Putain, mais Risotto, on a acheté les lardons au carbonara si j'avais su que tu venais. Le mec, c'est le premier mec à acheter le truc. Parce qu'en fait, pendant la pub, en fait, il y a. C'est quoi le rapport qui fait un peu le Alizé, Edge Best, Ilgege. Tu sais quoi, ah, quoi attends, Alizé, arrêtez sa carrière musicale. C'est j'ai un bail sur Alizé. Elle est impossible, cette type de cop. Hein. Franchement, qu'est-ce que tu fais? Tu mets Alizé en 1, Edge Best en 2, Ilgege en 3, t'es invincible. Mais c'est trop. Tu gagnes tous les tournois. C'est le. Athéna Xanadu Bay. C'est ça, t'es invincible. Ah, mais Edge Best, il est trop fort. Mais du coup, figure-toi, Ken, qu'une fois avec Puyo, j'allais à la pharmacie acheter des Doliprane, et ben j'ai fait la queue derrière Alizé, la vraie. Non. Et une fois j'étais en press tour, j'étais aux États-Unis à Seattle, et qui y avait dans le même hôtel que moi qui se faisait chier au bar, Shime. Et comme le pire Anne Batté de la Terre, je suis pas allé lui parler. Mais pourquoi? Voilà. Parce que j'étais un bouffon. Le mec, il est pas. C'est le mec, il est vénère. Comme un prince. Ah mais Ilgege. Ah oui, il y avait son DLC, Ilgege aussi. Son DLC. Bah oui. Son assiste. Ouais, l'assist est mieux que l'original quand tu même. Tu trouves? Ah oui. Je sais pas, moi c'est... Putain, les styles qu'ils avaient remis au-dessus, il y avait Bernard Minet, il avait un vrai style. Oh là là avait... oh, et aujourd'hui on a Norbert. C'est Norbert, ouais ça. Je me disais, putain, c'est pas... Aujourd'hui on a Norbert. Regarde, Norbert, il emballe un Norbert. Je l'aime pas du tout. Mais pourquoi t'aimes pas ça? Bah j'aime pas sa façon de parler et tout, d'être un peu... Oh. Elle était en une du club Dorothée. Les deux fils de Son Goku, de San Goku. Les deux fils de San Goku. Merci Trunks. Oui. Non, c'est pas bien. J'en prends quatre. Les deux fils de Son Goku. Mais du coup, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était un classement du lore AB. Du lore non, AB. Ah ouais, faut faire ça avec Genius. Ah, mais Genius, il va te sortir des histoires. Ouais. C'est un Genius, il connaît toute la télé. Hein. Ah, le AB vert. Genius, c'est quelqu'un de la télé. Ouais. Bah oui, c'est normal. Il a dû les connaître. Hein. Putain, mais Ilgege. Petit Hulk. On sait pas. Mais tu veux pas montrer Manuela Lopez? Parce que elle. Bah là, on peut tomber sur des trucs dégueulasses. Manuela Lopez, je pense qu'on prend le risque. T'es sûr? C'est quoi safe search? En gros, t'as pas de cul, t'as pas de. Ah ouais? On peut faire ça? Voilà. Elle, ça a l'air d'être safe. Elle, c'était l'une des mains. Ah bon? Ah, c'était une main de ouf, quoi. Ah, j'aime pas son visage.
Attends, il y a des meilleures photos. Il y a des meilleures photos, il y a des meilleures photos. Parce que là, moi, je préférais Adeline Bondio, mais c'est vrai que les yeux bleus comme ça. Mais tu vois, en mode moderne. Ah ouais, non. Parce que là, j'aime pas. Mais oui, mais c'est normal. Tu prends les gens à 50 coups de coude. C'est ça, ça fait candidat de Koh Lanta comme ça. Ouais. Oh, elle est tellement. Non, mais on sentait déjà jeune qu'en vieillissant, certaines parties de son visage allaient s'éphémérer. Mais comme tout le monde, ah bon, ah, là, elle est jolie. Regarde, elle ressemble à quoi, la limite. Là, elle est jolie. C'était ma main. Ah, la limite. Tape Manuela Lopez, maillot de bain, je sais pas moi. Voilà, comme ça. Voilà. Ah oui, parce que c'est quand ils étaient partis, les vacances de l'amour. Elle est squelettique. Ouais, une patate en bas. Ça, c'est Selena Gomez, Manuela Lopez. Tout ça, c'est à peu près le même, ouais, le même lore. Là, c'est quoi ça ? Là, c'est squelettique. Et là, elle est pas squelettique. On voit ça et ça dans la dans le même truc. De bas. Regarde, elle s'est fait taper Jennifer Lopez. Regarde à gauche. Lopez. Avec un cheval. Ah, c'est ça le porno dont tu me parlais ? Mais non. Ah, d'accord. Non, mais peut-être qu'elle a fait qu'un film érotique. Tu vois, on est d'accord, elle a une gueule de candidate Koh Lanta. Complètement. Attends, c'est vrai ou pas ? Ah ouais ? Ah merde, donc c'était pas une blague en fait. Non, mais c'est pas elle. Mais sauf qu'elle était déjà plus à Koh Lanta quand t'as vu la photo. Je sais pas. Je. Si, elle était dans le genre propre. Propre. Genre. La ligne de Brasil. Sauf que tu vois, elle était habillée bien, elle s'était plus à Koh Lanta. Non, il faut taper Lali et les garçons. Putain, fais chier. Alors. Elle a écrit ça Lali, L-A-L-I. Wow, au pif, pourquoi ? C'est Lali Grec. Ah, bah, Lali. Regarde là, la photo bien. Brune là. Brune en bas, là. Putain, mais. Ok, là, magnifique, d'accord. Lali. Là, je suis d'accord. Lali était magnifique. Elle est dans les mystères de l'amour, Lali, hein, encore. Mais ça, c'est des faux. Non, ça, c'est les autres, ça. Ça, c'est Lali. Ça, c'est pas la même Lali. C'est Lali Story qui a réussi une belle carrière. Et qui est. Ça, c'est elle, par contre. Elle a fait quoi ? Elle a fait du porno, elle. Ah ! Ouais, elle se dit, bon, je m'en bats les couilles, autant les droits. Ah, la même Lali. Voilà. D'accord. Bah. Oh là, Lali. Elle est dans du bonheur, non, pour les vrais. Bah, je sais pas si tu es dans du bonheur. Moi, elle était dans le FBI avant. Ça vaut le truc. Elle est zéro. C'est Lali, regarde, elle présente. Mais la Lali, celle-là, elle a pas fait du porno, là. Non. Non, elle parlait bien de Lali aussi, vous. Non, on parlait de Lali de Secret Story 2 ou 3. Belle mémoire, je dis. Belle mémoire. Secret Story 2. Tu regardes ces vidéos, toi ? IDF1. Putain, mais c'est quoi ces chaînes de télé ? IDF1 ? Mais tu sais pas ce que c'est IDF1 ? Non, c'est quoi ? Écoutez-moi bien. IDF1, c'est gratuit, c'est sur la TNT. Et il y a Jackie et tout ça, et ils passent des vieilles séries comme ça. Ça existe encore ou pas ? Parce que ça fait partie du lore AB. J'ai vu qu'il y a pas si longtemps. Mais... Et en fait, ils passent des vieilles telenovelas. Essentiellement, ils achètent des droits telenovelas. Et moi, à un moment, je regardais que ça. Et les telenovelas, ça met 1000 zéros à nos séries. Ah ouais, ouais. Les séries brésiliennes, sud-américaines, machin, bolivien, machin. Ouais. C'est les meilleurs trucs. Ah ouais. Ah, c'est presque du niveau des trucs genre Bollywood machin dans le drama dans. Mais est-ce que c'est encore c'est l'amour avec c'est l'amour avec des doubles ils sont fantastiques. Ah c'est magnifique. C'est... Putain, ils sont dans, ouais, ils sont en lore time. T'es avec Cricri. Ah oui, avec Cricri. Ça c'est la vie, elle est bien. C'était en quelle année ça ? Ça c'était il y a pas très longtemps. Regardez-moi ça, ce petit décolleté. Ah mais elle c'est pas une Lali elle aussi, non ? Non, pas du tout. Ça c'est le Max, c'est une autre génération. C'est Lélia. Lali, voilà. C'est un peu la BR du futur finalement. C'est Lali de l'humanité. Là, c'est en mode. Voilà, c'est la fiche artiste. Ce regard de réplicant, ça. Moi, j'aime beaucoup. Là, toi, c'est malade. J'aime Lali. Le calice jusqu'à Lali. Regardez. Les meilleurs amis. Ouais. C'est qui lui à gauche ? C'est Chris DLC, je le connais. Bah, c'est Chris Tri. C'est Chris Tri. Ouais, putain, il a eu le cancer entre temps. Mais non. Ah, il a juste vieilli. Ah oh là là, il fait peur. Bon, ah ouais, en parlant de vieillir, il faudrait pas quand même souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un, hein. Bah, il n'est pas là. Il n'est pas là. Est-ce que tu peux googler ? Est-ce que tu peux googler ? Lame UA. Oh là là, regardez. Très beau gosse. Alors lui, voilà. Oh là là, regardez-moi ça. Tu peux googler. Et là, il y a Joyper qui joue. Waouh, il a fait la photo comme toi là. T'as vu ça ? Mais oui. Putain, le sac. Regardez-moi ça, Lame UA. C'est le même. Mais c'est pas lui. Si, c'est lui. Putain, quand il était jeune. Lame UA, c'est ça. Regarde, ça, c'est Lame UA quand il va à Bangkok. Ne mettez jamais, ne mettez jamais vos photos sur Facebook. Attends, reviens, il y avait plein de photos là. Attends. Lame, c'est une femme en fait. Eh ouais. Mais oui, mais tu sais, lui, il se déguise en femme quand il veut. Hein.
C'est déjà. Ah oui, hein, il, ouais, a, il a la chevelure. Non, mais du coup, voilà un bon anniversaire à Monsieur Lame. Ouais, il est avec des persos DLC là. C'est ça. C'est qui, eh non, c'est pas le mec de la télé, lui. Si, si, c'est pas le mec, Maxime. Regarde, regarde, tonton, regarde. Regarde, fais grandir, fais afficher en grand. C'est lui, grand. C'est lui. Ah, oui, c'est non. Lui. Il a fait ça. Non, mais Lame, il a fait des trucs trop stylés. Mais vous savez pas, vous, que Lame, il a le sang bleu. Tonton, Lame, il vient de mettre. Lame, il connaît toute la Terre. Il a fait tout. Il a eu 30 vies. Il est c'est hyper vrai. Stylé. Il a été journaliste. Quoi, il a fait tous les voyages. C'est... Il a fait de l'histoire. Mais non, mais il la a fait... photo, attends, là. Mais là, mais là, voilà. Il jouait Mathieu ou quoi? Mais fais afficher l'image. Non, mais c'est une petite résolution. Ah merde. Non, mais tu peux pas jouer avec le. Ah, mais c'est. Ah non, c'est un. Tiens, Lame était dans Bref. Oui, Lame, il était dans Bref. Lame, il était dans Bref. La série avec Yann Conanji. Lame, il a tout fait. Lame, il est stylé. Il y a un moment où ils font, il y a un genre de délire et tu sais ils se retrouvent avec des mecs genre les Black Eyed Peas machin, et c'est là et c'est Lame qui fait Tabou des Black Eyed Peas, c'est l'Indien. Ils ont pris Lame, il a la même tronche, et ben ils ont pris Lame. Ah ouais, j'avoue, c'est stylé, c'est vrai, c'est vrai. Là c'est lui aussi. Ouais, il est en short. Non, c'est pas lui, putain. Oh là là, ce Lame en short. Cette photo, mais pourquoi elle, cette il photo, fait ça parfaite. Bah on dirait Marilyn Manson. Bah c'est de là, bah c'est ça, c'est artistique, putain, c'est une démarche c'est de artistique. C'est de l'artiste. Mais dans quel t'es jaloux, tu veux faire la même? Dans le but, que... bah, regarde, dans le but où tu trouves ça stylé. C'était Eura dans Koh-Lanta. C'est ça, c'était Eura aussi dans Koh-Lanta. C'était lui, c'était Lame. Wow, c'était Lame Eura. Donc lui. Voilà, on dit bon anniversaire à Monsieur Lame, qui doit avoir 38 piges, hein, c'est-à-dire que... C'est Kim Shapiro, si j'avoue, il y a un petit côté qui me... Et on dirait, qu'il a 29 ans, voilà. C'est ça, c'est Monsieur Lame. Il a 42. Il a 38. Il ne les fait pas. Il a 7 têtes tout le temps. Putain, le pauvre. Mais quoi, le pauvre? Mais qu'est-ce que tu racontes, il a putain fait des trucs avec des escarpins, là, c'est... Mais il est trop c'est stylé, bizarre, là. Un peu, quand même. Mais quelle intolérance! Ah bah non, bah je trouve... Mais t'as bien fait, t'as bien fait un cosplay, arrête! Voilà. Intolérance aux lametoses. Oh là là. T'as fait un râler, toi. C'est vrai. C'est vrai, il fait un râler. Il se travestit et... pour rigoler, je suis pas en mode... Ah non, j'ai eu peur, je vais dire, c'est bon. C'est quoi là où il est en mode objectif? C'est le là. Meilleur ami de Kongster là. Comment il s'appelle son sidekick avec qui ils sont infinis, celui de Game One? Philippe Douste Blasi. Anfan. Anfan. Ouais. C'est ça. Vous voulez que je vous parle du lore de la Mua? Ouais, je piffe Anfan. Enfin, c'est un main. Hein. C'est un main ouais. Celui-là que t'as trouvé là. Ouais. Tape. ANH, ouais. Anfan. Ah, de Game One. Voilà. Qui est monsieur, le monsieur high-tech de Game One, et qui était aussi Journal du Geek. Qui est toujours Journal du Geek. Qui est un homme qui vit une vie ah ouais folle. Ouais. Mais en gros, ce qui est marrant, c'est qu'il faut savoir. Alors, vous savez qu'honnêtement, dans la vie, ce qui marche, c'est le piston. Voilà. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que. On tape un fan, on tombe sur qui? Genius et Karaté. On oui, parce tombe que c'est sur la... Genius c'est team, il faut savoir que ce qui marche, c'est le piston. Et en gros, pour pas vous cacher des choses, Lame et moi, on est amis depuis très 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 longtemps. Et du coup, on se retrouve sur JVTV avec, aujourd'hui avec des, gens comme Lame, avec des gens comme Lame, avec des gens comme Nekoto, avec des gens comme Daz. Et en fait, on est vraiment amis dans la vie depuis très longtemps. Que en des fait, Chinois. On a un peu ramené les potes dans les émissions, mais c'est comme ça que ça se passe. Regarde, Karaté et Ken sont potes aussi. On vient tous un peu des mêmes cercles. Je voulais ramener des gens. Bon, qu'est-ce que tu me racontes? Et dès que Karaté veut ramener ses potes, tu dis non. Mais n'importe quoi, ils sont déjà venus plein de fois. Mais là, pour travailler. Pour travailler, bah oui, mais on parle de travailler. De faire des streams, lol, regarde. On parle de On peut en parler, non? C'est en discussion. on en parlera au prochain mercato. Ah voilà. Les mercatos, c'est de temps en temps. Voilà. En tout cas, voilà. Du coup, Anfan, voilà, il fait partie du lore de Monsieur Lamua, la mafia vietnamienne qui est très puissante en France. Hein. Ah, franchement, c'est un gros lobby. Hein. Dites pas du mal. Hein. Dites pas du mal. Ah, les Vietnamiens. Ouais. On sait jamais ce qui peut se passer. Et le meilleur. Ouais. Julien Télouk. Et ah non meilleur. Non. Je suis désolé. C'est celui qui est à gauche le meilleur. C'est Marcus. Marcus. Julien Télouk, c'est un main. Il y a deux c'est écoles. Un main. Franchement, vous êtes plutôt Julien Télouk ou Marcus? Mais il est pas détesté, Julien Télouk. Marcus, non. Julien Télouk, c'est MSI, quoi. Okay. Je demandais. Marcus, 12 000 fois. Marcus, 12 000 fois. Allumé 1000 0. C'est pas le même style. C'est pas le même style, ouais, en fait. Ouais, mais Marcus, il a une sympathie, tu vois. Julien Télouk, c'est un animateur, voilà, quoi. Mais il est sympathique. Julien Télouk, il sonne animateur fou, alors que Marcus, ça pourrait être ton papa, tu vois. Tu trouves Marcus plus authentique? Ah ouais, oui. Complètement. Complètement. Ah bon?
Ouais. Même s'il fait du merchandising, mais ils sont là tous les deux depuis le 1. Hein, voilà, la meilleure émission de l'histoire des jeux vidéo, c'est quand même Marcus versus Julien Tellouk. J'avoue. On a ça me rappelle un peu les défis de Monsieur là, Karaté. Là, c'était vraiment ils étaient sur toi, au top du top. Hein, tu vois, ils étaient à leur firme maman, leur firme papa. Leur firme maman. Ah ouais, c'était. La firme on maman. On a fait pire, tonton, tu sais. Non, on a fait les défis de Monsieur Karaté. Oui, mais non, mais moi je te parle, c'était bien. Sans Monsieur Karaté. Oh putain mais merde. Waouh. Wow, c'est montage Chabal. Les montages. Ed Van qui prend un sasquatch. Qui découvre le rugby. Qui découvre Love Ali. Oh merde. Ali. Putain merde. Love Ali. Love Actuali. C'est des bonnes ambiances quand même. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Monsieur Lam? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Monsieur Lam? De franchement tu sais quoi? C'est de réussir. Trouver un appart. Là, il cherche à acheter un appart, donc déjà, on lui souhaite de trouver un appart. Non, d'arriver enfin à matcher sur Tinder, parce que je lance un appel. Hein. Je sais qu'il y a forcément sur les 2000 personnes qui regardent là, même si on les voit jamais, il y a forcément au moins 5 personnes de sexe féminin. Monsieur Lam est seul et désespéré. Mais non, mais apparemment, il match tout le temps, mais au final, je ne comprends pas. Lamua, qui est un bon parti, qui est beau gosse de ouf. Le mec, il a des abdos, tu les vois à travers son t-shirt. C'est ça. Le mec, il est éternel, il ne vieillit pas. Le mec, il a, enfin voilà, il est hyper sympa. Mais j'ai essayé, il veut pas. Il est cultivé. Il est tout ce que tu veux. Et Lamua, il est célibataire. Il a pas de cul. Alors vous allez, c'est vrai qu'il a pas de cul. Ouais. Mais qu'est-ce que t'en as? C'est vrai qu'il a pas de cul. Donc vous allez vous bouger. Vous allez trouver une meuf pour Monsieur Lam, parce que ça va pas. Il est allé sur Tinder et sur Tinder il se passe rien. Alors que Lamua, si je n'étais pas hétérosexuel, je lui sauterais dessus. Ben, voilà. Moi, j'ai essayé, il veut pas de moi. Il a dit, oui, mais il a pas envie tonton, de se remettre dans une relation sérieuse maintenant. Tu te laisses intimider, par des escarpins aussi. Relation sérieuse. Il a envie de prendre un peu de temps. Il veut pas s'engager dans un truc trop sérieux tout de suite. Tu sais quoi, il sort. C'est ce qu'il m'a dit. Après, bon, c'est peut-être une banane qu'il m'a mis. Hein, tu vois. Je pense qu'il t'a mis une banane. Tu fais ce que tu veux. C'était peut-être pour pas froisser tes sentiments. Bah ouais. Tu crois pas? Je peux plus en parler. Non mais voilà, du coup on compte sur vous. Faut faire quelque chose. Non mais Jill, toi là, Jill. Quoi? T'as pas des copines? Ah, putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur. On sait que Joyper est fan. Mais le problème, oui, c'est qu'on sait que comme ça pourrait être sa fille, l'histoire ne pourra pas marcher sur le long terme. C'est pas possible. Non mais Joyper, elle attend. Elle est casée. Non mais c'est pas possible. Elle attend désespérément. C'est pas possible. Elle a déjà 50 ans. Il y a trop de différences. Enfin voilà, c'est chaud. Elle a 5 enfants. Bah, déjà. Tu sais, y a, non, mais tu sais, l'amour est plus fort que tout. L'amour. Ouais, mais je sais pas. Il a 38. L'âme, il a 38. Et... J'ai peur, elle a 23. Bah, tu sais, ça se fait. C'est quasiment hein, le double. 12 ans. Non, ça se fait non, pas. Non, ça se fait. Il y a des gens de 3. Tu sais, au-dessus de 18 ans. Oh là là. Ça va. Je vais sortir les blagues de risotto. Attends. C'était quoi déjà ta blague risotto? Tu diras ça au juge. La blague de risotto, c'était quand il y a. Quand il y a gazon, il y a match. Quand il y a pelouse, il y a match. Quand il y a gazon, il y a match. Voilà, risotto chaud. Risotto chaud, le stream. Voilà. Je rigole parce qu'il peut pas parler. Et en plus, il disait que c'était une blague de beauf, mais ce n'était pas sa blague. Et puis même, je touille risotto. Donc casé depuis longtemps. C'est dans Kikas. Bah oui, c'est les vieux trucs qui reprennent. Donc voilà, on espère que Monsieur Lam trouvera l'amour. Les voilà. Mystères de l'amour. Quand on tape Joyper, on tombe sur Joyper. Regardez ça. Waouh, regardez ça. Elle est morte de rire. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Attends, il y a des photos de Joyper. Oh putain. Il faut que vous sachiez un truc. Quand on fait des émissions ici, quand on fait Mangassure et que Joyper vient, remets Verdier celle de l'avant. Joyper, elle vient. Et vous voyez ce qu'elle fait là? Et ça, c'est complètement Joyper. C'est-à-dire qu'elle est à côté, à gauche, à droite, tourne autour et elle parle alors qu'on l'entend pas. Et en fait, elle veut participer à l'émission, mais comme elle est autiste et qu'elle a peur de venir, en fait, elle n'ose pas vraiment venir à la caméra. Donc en fait, elle est là, à côté, elle tourne autour, elle reste toute la soirée, mais elle veut pas venir. Voilà. C'est comme le petit animal sauvage qu'il faut appâter. Joyper a peur. Ouais. Joyper a peur. C'est terrible. Du coup, voilà. On tape Joyper, on tombe. Hein. Première vidéo de Joyper avec Jill. Jill qui est tout. Elle était mannequin partout, avant. Partout. Elle était mannequin avant. Joyper, la nocturne. Il y a la troisième photo en haut. Non. La troisième photo en haut, celle-là. C'était ici. C'était la nocturnale. La nocturnale. C'est la soirée pyjama. Incroyable. Oh là là. Je suis toujours fourré avec Joyper, moi. C'est toujours fourré.
Et on nous le réclame chaque semaine. Ah bon, elle est tout le temps à la maison voilà. Et tout. C'est Jill et Joyper. Ah non, c'est Jill et Joyper. 10 ans après. Qui est où? Je vais vexer là. Qui est où? Je ne sais pas. Bah, Jill, elle est plus grande, donc elle est à gauche. Moi, j'ai l'impression que c'est la Mua. Hein. ça a l'air d'être la Mua. Il y a confusion. Ça a l'air d'être la Mua. Ça, c'est à cause de Trunks qu'elle a cette photo-là sur Internet. Mais elle a kiffé cette photo. Elle a surkiffé parce qu'en fait, on avait acheté des maillots e-sport. C'est à cause de toi qu'elle a des problèmes. Mais tu te fous de ma gueule? Avec les gens. Elle est devenue quelqu'un. Elle est devenue quelqu'un. Mais est-ce que tu peux comprendre qu'il y en a qui en ont rien à foutre de devenir quelqu'un? Mais elle n'en a pas rien à foutre. Elle ne l'accepte pas encore. On peut devenir quelqu'un d'anonyme. Ah voilà, regarde, ça y est, une photo de Kaoru. Où ça? Là. Clique sur Kaoru. Clique sur Kaoru. Là. Voilà. Waouh, regardez ça, cette tête. C'était les vrais squats, ça. Ça a commencé à canasser. À casser. Regardez ça, là. J'ai un pull de grand-père de 75 ans. Putain, mais c'était bien. Tu pars toujours, hein. C'est vrai, comme maintenant. Waouh, il y a aussi des photos comme ça. Nom de nom. Regarde, tu vois que Joyper est là, mais il y avait déjà une tension sexuelle. Il y a une tension sexuelle. Mais dis pas ça. Mais elle a 12 ans. Mais elle n'a pas 12 ans. Si, elle a 12 ans. Non, mais moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique, en fait. Ah là là. Ah oui, c'est vrai, on voit pas. Bon, je vous montre, vous êtes gentil. Regardez ça. Regardez ça. Ça se suce le petit doigt. Bien sûr, c'est Kadyrov. Tape Kadyrov. C'est quoi Kadyrov? Bah, tape, tu verras dans. Comment t'écris ça? C'est le dictateur là qui ressemble trop à Kaoru. Hein? Ah oui, c'est vrai, bah, oui, il y a un truc. Kadyrov. Tu connais Kadyrov? Oui, ouais. le mec en Biélorussie ou je sais plus quoi, je sais plus, mais ouais, qui est pote avec Steven Seagal. Kadyrov. Voilà, exactement. C'est. Voilà, ce Kaoru. Ah ouais, putain. C'est Kaoru. What? C'est Kaoru. Je crois qu'il parle vraiment trop con. C'est irrécupérable. Mais hein. Non, mais il y a un truc, c'est sérieux. Ah si, mon dieu. C'est vrai, il y a des cheveux de barbe. Ah, c'est Kaoru. C'est Kaoru. Bah oui. En Tchétchénie, c'est ça. Regarde, putain, quand il dit bismillah, là, quand il lève le doigt. Putain, merde, quoi. C'est Usain Bolt blanc, quand même. Ah, il est stylé, lui. Ah, oh bah, Kadyrov, c'est un maïnoui. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la vie? Il tue des gens. Dictateur. Ah, merde. Ah, oui, voilà. Il tue des gens, ouais, c'est ça. C'est un scélérat. Il est avec Tyson. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, il invite les stars chez lui, comme il est MMA, milliardaire, ouais. Comme il affame tous les gens du pays. Mais bah, il se fait plaisir. Et voilà, il roule dans une voiture. Et Tyson, il s'en bat la race, il vient. Bah oui, ça aurait des couilles. Lui. Bah, Depardieu, il est parti aussi. Depardieu, ouais. Depardieu, il a aucune race. Ouais, mais parce qu'il est fâché avec le fils. Il a pas aucune race, il a toutes les races. Il est français, il est russe, il est belge, il a toutes les races, lui. Toutes sauf français. C'est ça. Waouh, ça va se rouler une pelle. Hein. Ah ouais. Waouh, c'est sensuel, là. Aïe, 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 aïe. Avec le Poutine. Putain, mais lui, c'est un mec dangereux, non? Oui, c'est ultra dangereux. Tu sais quoi, on devrait faire attention à ce qu'on dit. Parce que là, c'est l'internet, il va couper, il va se passer des trucs. Hein. On sait pas. Hein. À cause de comment Vladimir, il peut laisser faire des trucs pareils? Ouais, tonton fatigué. Hein. Tonton, il est arrivé tôt hein, aujourd'hui. Hein. Franchement, je félicite Monsieur Karaté. Hein. Ce matin, il y avait une réunion de travail et Monsieur Karaté, il est venu et tout. C'est vrai. Ça a changé en un an quand même, je te félicite. Non, mais Karaté, on peut toujours rien dire par rapport à la réunion. T'as eu un mail, quelque chose? Je sais pas, je peux regarder. Et toi? Ça s'est bien passé d'ailleurs? Je sais pas. Verdier, s'est bien passé ce matin? Oui, ça s'est super bien passé. Ah oui, ça s'est super bien passé. Je sais pas si on a le droit de le dire. Non, on a rien le droit. Mais attends, c'est dans 3 jours. Bah oui, ça fait chier. Attends, bah... c'est quoi, j'ai un mail là-dessus. Attends, je regarde tout de suite. Si t'as un mail, parce qu'en fait, on a une révélation. Attends, au pire, si je dis le mail, c'est pas grave. Attends, dans mes mails, je vais regarder. Astuce. Attends. Blablabla. Mais regarde déjà sur le Twitter s'ils ont annoncé quelque chose. Eh ben c'est bon. Comment ça c'est bon? Et Erwan Lafleurienne. Eh ben c'est bon, j'ai le mail qui le dit. Vas-y. Donc voilà, on peut l'annoncer. Ah bon? Non, t'attendais un mail ce soir pour le confirmer. Fais attention. Il date de quand ton mail? Il date 19h16. D'aujourd'hui? Et on me dit c'est bon, on va pouvoir lancer la communication. Bah, je crois que le règlement était validé. Le chat. Ah ben normalement c'est bon. Ah mais ils savent. Waouh. Mais oui, ça ils savent déjà. Voilà, on peut le dire. Effectivement, à partir de la semaine prochaine et jusqu'à la fin de la PGV sur la JVTV, la JVTV sera producteur et diffuseur du tournoi
Splatoon 2 officiel de Nintendo. Le championnat de France officiel de Splatoon 2. Stylé. Et du coup, ce sera commenté par Monsieur Karaté et Ken Bogard. Tout à fait. Et ça... Rizzo, ne balance pas les bails. Et du coup, il a pas de micro, c'est pas grave. Et du coup, c'est vraiment super cool parce que pour nous, avoir... déjà, sur Splatoon, on sait que Tonton adorait le jeu, etc. Et en fait, avoir le tout championnat officiel de Nintendo... Pour JVTV, c'est très cool, en fait. Non seulement c'est cool, mais on sera le pays d'Europe qui aura le plus gros championnat de Splatoon, puisqu'on a la plus grosse communauté de Splatoon 2. On est les mains. Voilà, au-dessus de l'Italie, au-dessus de l'Angleterre, au-dessus de l'Allemagne. Au-dessus de l'Allemagne. Exactement. Eh bien, ça me fait plaisir. Le truc qui est chiant, c'est qu'ils ont mis 50 ans à valider. Du coup, ça commence mercredi. Mercredi, à 21h minuit. Ça remplacera, du coup, les libres penseurs. Il faut les histoires de plateau, je sais pas quoi, là. Ouais. Ensuite, nous aurons le 22, c'est-à-dire je crois dimanche, Ken, nous aurons un tournoi de 16h à 19h avant la FDJ, je crois. C'est ça. Avec un enchaînement violent de Splatoon et de FDJ Tekken avec Genius, tout ça. Mercredi, puis dimanche. Ouais. Et puis ensuite, ça revient le mercredi en 14-17h. Ouais, à l'après-midi parce que c'est les vacances. Ensuite, attention, c'est parce que c'est pas fini, il y aura des étapes à la PGW. Exactement. Des étapes à la PGW et la finale le dimanche, le dernier jour de la PGW. Voilà. Et tout ça toujours avec Karaté et Ken et toujours casté sur JVTV. En gros, il y a trois étapes online. Il faut que vous inscriviez votre équipe de 4 avec un capitaine par équipe. Les gens peuvent venir à la PGW pour jouer. Oui, exact. Chaque vainqueur des 3 tournois online qu'on va faire gagne leur défraiement pour la Paris Games Week. C'est stylé. Voilà. C'est stylé. C'est sans plus ni moins. Et du coup, voilà, c'est le tournoi que tout le monde peut faire. Il y a des beaux cadeaux. Le prix sera remis par Kadyrov. Et le prix sera remis par Kadyrov. Ouais, c'est ce mercredi, les gars. Ça va aller très vite. Et ils vont mettre un lien aussi, ceux qui sont un ou deux et qui ne savent pas trouver de team. Ils peuvent faire le tournoi, tu vois. Voilà, pour trouver des teammates. Attends, et j'ai même plus important que ça à vous dire. J'ai plus important que ça à vous dire. C'est que tu me l'as dit ce matin, Karaté, et je sais que tu es trop humble pour le rappeler, mais moi je vais le faire. Tu as dit que tu avais soumis une idée à Nintendo. J'ai inceptionné. Non mais vas-y, tu peux le dire. Du coup, il va se passer quelque chose. Non, tu le dis pas. Je dis pas. Non. Tu veux pas le dire. J'ai pas envie que la France. Mais de maintenant. En gros, Tonton a proposé Nintendo. Ils ont dit putain, mais ouais, on va le faire. Il y a un truc qui va changer sur la Switch grâce à Karaté. Exactement. Ah bon? Exactement. Ah ouais. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Non, tu sais que. Non, à un moment, en réunion, Karaté, il fait mais ça serait bien que les gens ils soient prévenus. Il dit, tu sais, à l'intérieur du jeu, quand tu vas dans la place de Splatoon, tu sais, tu peux voir, t'as plein de trucs, t'as des annonces, t'as Marina qui parle. Et le mec, il nous dit ah non, bah, je peux pas mettre dans le jeu, par contre, je peux mettre la vidéo du teaser dans la homepage de la Switch. Tous ceux qui ont une Switch, vous allez le voir. T'allumes ta Switch et normalement tu vois une vidéo, c'est le championnat de France de Splatoon. Et sur une idée exclusive de Monsieur Karaté. Il faudrait que ce soit écrit à la fin du teaser. Ce sera précisé. Sur une idée qu'il n'a pas fait exprès. Grâce à Karaté. Cet influenceur, il influence Nintendo. Donc, je sais pas si vous vous rendez sur compte. La Switch, techniquement. Il influence Nintendo. JVTV sur la Switch, donc techniquement. C'est Monsieur Karaté sur la Switch. Dans la Switch, t'as vu ta Switch, tu vois JVTV. Non, mais tu vois, quelque part, ça aura changé le cours du jeu vidéo. Peut-être à cause de ça. Mais oui, parce que regarde peut-être les petits gars là qui vont faire le tournoi, qui vont gagner le tournoi. Eh ben, tu crois pas que leur vie va changer? E-sport. Ça se trouve, c'est le début d'une carrière. Les petits gars qui vont gagner le tournoi, ils vont gagner un an de jeu Switch offert, et un billet pour les championnats d'Europe. Oh, c'est stylé. Ah oui, parce qu'après, c'est pas fini. Et attention, parce que si tu gagnes les championnats d'Europe, c'est les championnats du monde. Et c'est probablement soit aux États-Unis, soit au Japon. Donc potentiellement gagner le voyage. Exactement. Au Japon. Bah, y a rien à dire. Donc, si t'es une team craquée, bah, c'est beau, tout ça. Sachant que, sincèrement, celui qui va gagner le championnat de France, je vous spoil, il gagnera le championnat d'Europe. Oui, mais pas au Japon, parce qu'au Japon, ils sont trop forts. Non, mais le championnat d'Europe, tu vois, ils vont gagner le championnat d'Europe. Hein, on est les meilleurs, c'est cramé. Oh, c'est beau. Hein, c'est incroyable la vidéo. Non, mais vous voyez tout ce qui se passe là Karaté là qui se lève à l'aube là pour venir au petit Réu et tout ça, vous le voyez pas. Vous le voyez pas, pour dire ces quelques mots qui ont fait basculer un deal. On se rend pas compte, hein, on est pas chose vraiment. Voilà, tu vois. Tout ça, c'est la partie cachée de l'iceberg. Un peu tout ce travail. Le fils aimé de la régie vidéo. Oh. De la régie, oui. Oui. T'as mis moi, t'as du sateau rouge, je sais pas.
Bon, on met une pub, on s'auto-suce de notre génie et on revient. Et on revient, on va peut-être mettre un petit jeu indé. Allez, à tout à l'heure. Un petit jeu indé. La petite pause. Incroyable. Alors, c'est où? Attendez. Je sais pas, on va mettre un truc. Spadapapa. Ouah, ça marche plus. Spadapapapapapapapap.
Kadyrov qui a fini. Ça peut être un fond d'écran Kadyrov. Totalement. 4 Kadyrov compatible. 4K, 4 Kadyrov. Oh quoi, putain. Wow. Ah, le Steam Link. C'est quoi ça? C'est le Big Picture. C'est pratique quand tu joues sur ta télé directement. Vas-y, mais assis-toi, mais je suis à côté. Connexion. Oh là là. Vous faites quoi? Ça va quoi. Genre pour faire du Jackbox. C'est quoi ce configurateur? C'est Steam Big Picture. C'est pour jouer sans avoir besoin du clavier, de la souris. C'est une interface console. Ouais, ouais. C'est complètement bien, il devrait y avoir ça tout le temps au démarrage. Ce serait beaucoup plus simple pour tout. Il n'y a pas que PED? Je peux le mettre à CU. On est sur le compte JVTV, normalement il n'y a que PED. Je suis pas, je cherchais un jeu. Non, t'es dans la bibliothèque installé. En fait. Il est installé. Oh, je pense. Oh, il y a Grand Classe Mêlée. Oh, il y a Grand Classe Mêlée. Qu'est-ce qu'on attend? Non, fais-nous pas chier. Ah, si, en plus, je crois qu'on avait gagné avec Tonton. Mais il est pas là. On l'installe, ça va prendre 2 secondes, on a la fibre. Ouais, mais. Pour une fois que j'ai la fibre, j'en profite. Toujours pas la fibre? Bah, ici. Récemment. Ah, c'est comment on voit les jamais, jeux? Jamais. Bah, un jour, là, mais... je te le les jeux que tu as là, il n'y a pas Cuphead. Non, le Grand Quiz en général, on le garde pour le lunch play. Oh non, pas le système comme ça. T'as vu comme c'est bien fait? Waouh, ça a l'air d'être un ski. Mais il n'y a pas toutes les lettres. Stick gauche. Bah oui, mais l'autre stick il bouge pas, regarde. Hein? C'est la croix. Ah, ouais, j'ai fui. Ah, c'est pas l'ordre alphabétique. Ah, j'ai pas vu Cuphead là. Ricochet. Mais non, c'est pas ordre alphabétique. T'es sûr? C'est en haut, Cuphead, c'est un C. C'est quoi? MNOP. Ah, C, voilà, tu vois. Bravo. Vous l'avez pas sur ce compte? Il y est pas, il est pas. On est sur quel compte là? JVTV. Bah, normalement, on l'a sur JVTV. Ou alors on l'a pas? Non, bah si, on pas, l'a sur JVTV. Moment, nous, on a joué en live sur mon compte à moi. Alors qu'il y a Deep Space Waifu. Ah, Deep Space Waifu, on a voulu le faire. Et, on et en fait, pas. C'est conseillé par monsieur Lam. Mais en fait, tu on voit pas. Des chatounettes. Ah bon? Et des nichons. Mais non censurés. Oui, mais non ouais. Censurés. Ah, tu te souviens vendredi 13? Vas-y, joue à ça. Oh non, ça fait peur. Mais oui, mashed, c'est ouf. Non, c'est quoi, il a dit le jeu? T'as dit quoi le jeu? Il avait dit Stick Fight. On regarde. Alors qu'il y a, bon y a l'Etat League, tu vois. L'Etat League on va encore faire dépenser des sous. Comment on bah, cherche? T'avais pas acheté Cuphead hein, sur celui-là. Il était en. Mais on l'avait sur quoi alors? Comment on cherche? Parce qu'on l'a, on y a joué plein de fois. Mais comment mais on cherche? Mais sur mon compte. Ah bah, bibliothèque. Ouais, mais... Dans ta bibliothèque. T'es... Mais non, mais dans ta bibliothèque, tu as pas. Peut-être dans Meilleure Vente, je pense que tu peux le trouver. Oh, oh non, là, là, mais va. Fais pas ça. La croix. La croix, non, la croix marche pas. On n'arrive jamais à rien faire. non, surtout pas. tout ça pour économiser. Non, c'est quoi? Bah dans Meilleure Vente, je pense. Il doit être dans les meilleures ventes que PET quand même. X. Et où sorti récemment? Non, mais Stick Fight. Ah, Stick Fight. Hop. Entrade. Waouh, Stick ça. Fight the game. Allez. C'est quoi? Parce qu'il y a... Ah non, c'est l'OST ça. Okay. Fais acheter. Attends, regarde la vidéo. Ah, mais qu'est-ce je connais, que c'est oui, que ça oui, attends, oui, vous regardez la vidéo. Ça. Oui, bah oui, c'est connu. C'est des petits bâtons. Ah oui, j'ai déjà vu celui-là. Oui, c'est vieux. En gros, il faut pas tomber. Tout se casse la gueule et il faut pas tomber, c'est ça et tu ramasses des armes et le moteur. Et tu dois défoncer les autres, c'est ça? Ouais, c'est Gangs Beast fait du ski, quoi. C'est spell une key avec des sticks, quoi. Ouais, allez, ça, on en achète, allez, soyons fous. Au diable, l'avarice. L'avaricelle. Pour 5 balles. Ah ouais? Tu peux t'as un bloc that matters. Oh là là. Waouh, je joue le vert. Le vert il a l'air. On a Dive Kick? Je sais pas, ouais, mais je crois pas. Ah, t'aimes pas Dive Kick toi? Mais c'est nul à chier. Vous aimez pas Dive Kick vous? Non, c'est pas un jeu fait pour vous? Non, c'est le pire jeu. En fait, c'est une blague trop chère en fait. Pire jeu. Ça vaut comment pas... ça trop cher, ça coûte 5 euros non? Non, ça vaut plus je crois. Hein, aujourd'hui. Tu peux pas regarder là? Je crois que Dive Kick ça coûte au moins 10 balles. Bah, tu achètes déjà celui-là. Oh, ça a l'air le jeu du skill, hein, par contre. Ah bon? Ouais. On achète. On peut pas. C'est en bas. Ah, les éditions, c'est juste en bas, là. Juste en bas, t'y étais. Ah non, mais parce qu'il faut que je... Le stick, parce que moi, je suis avec de la croix. Tu fais ajouter au panier, acheter. Ajouter au panier repas. On voit ton numéro de on carte. Est comme... Non, on s'en fout, on voit pas entier, acheter c'est bon. Pour moi. Oui. Acheter pour offrir, non. Hein, pour non. Offrir à qui? Bah, je ne sais pas, à Pierre Chausson. Encore lui. Ah, attends, j'accepte. Accepte, calmez-vous, ça va aller. Ne stressez pas.
Il y a des choses plus graves dans le monde à l'heure actuelle. Ah allez, oui, c'est parti. On voit toute la carte bleue. Mais non. Allez dans la bibliothèque. C'est bon, là, il est acheté. Ouais, c'est ouais, acheté. Ouais. Alors, lancer, installer, non. Jeu. Estique. On a 147 jeux quand même. Hein. Bon, il y a des séries, genre Sandman Max, il y en a 35. Mais... Ouais, il est où stack, là, juste stack, à côté. Stack, stack. Configuration de manette installer. Nécessaire. Installer. Installer. Du coup, on peut être 4 manettes. C'est ça, on peut être 4 manettes. Allez, 4 manettes. On peut être 40 mégas. 5... Putain, ça fait 5 euros pour 40 mégas. Ça, c'est à cause des textures 4K qu'il est aussi lourd. Je pense. Est-ce qu'on n'aurait pas un micro pour Risotto quand même? Parce que depuis tout à l'heure, il parle, mais. Risotto! Je lui donne mon micro si tu veux. Risotto! Oh, mais. Joue à Fortnite! Fortnite! Merci! Fortnite, t'as jamais testé Fortnite alors que ça serait ton jeu, toi? Fortnite Trunks! C'est parti! Fortnite, c'est gratuit en plus! Il est gratuit? C'est ouais, gratuit! C'est gratos, ouais! Ah ouais? Ah bah faut que je teste! Bah oui, est-ce, est-ce qu'on peut tuer les collègues? Personne m'a dit! Je sais pas! D'après le chat, ouais! Bah je pense parce que c'est comme un peu PUBG, machin, enfin. Mais en arcade! Il y a des attrapes, attention! Il y a de la construction, donc ça ressemble à Rust! Ah! Sauvé. Rust, grande histoire. Ah non, mais là faut jouer là. Bah oui, c'est le jeu vidéo. Ça. Oh là là. C'est l'interaction, c'est l'émotion, c'est l'amour. L'amour. Ce brave l'âme. Bon anniversaire, l'âme, c'est à chaque fois. Ah, un jeu Unity. C'est un l'âme jeu Unity. En table. Je n'ai plus la main là. Il faut. Je n'ai plus la main. L'âme 1. Fais un peu la régie, s'il te plaît. Prends l'âme Annette. Oh, putain. Oh, prends non. L'âme Annette. Prends l'âme Annette. Oh, mais c'est infini ce prénom, putain. Mais Annette, c'était pas dans la messe. Bah, si. Oui. Bah, mais putain, on en parle. Kill your friends to start. C'est pas très sympa. Je suis bleu. Ah, non, je voulais moi, être vert. Moi, je veux bien le bleu. Hein. Moi, je veux le vert. Qui veut le jaune? J'échange le jaune contre le vert. Qui est vert? Alors, si on me donne le bleu, je te donne le vert. Hein? Est-ce que tu veux être le jaune, Gilles? Non, merci. Oh là là, tu vois, elle veut pas, tu vois. Moi, je veux bien échanger. Et... Tu veux pas le jaune? C'est ah, moi, le super guerrier. Ah, moi, je veux le bleu, moi. Ah là là. Reste fidèle à mes principes. Moi, je veux un Kinder Pourquoi, Delice. C'est le bleu, ta couleur préférée? Ouais. Bah oui, donne-lui le bleu. Oh. Oh allez, tout le monde est content. Comment je m'en vais alors? Bah non, mais tu suis de la manette. Ah. Voilà. Alors, toi, t'as quoi, alors, toi? Ça, moi, je veux le vert. Oula, tout se casse la gueule. Voilà. Le vert. Du coup, là, j'ai quoi là? Tout le monde est content. Voilà. J'ai quoi moi? C'est bon, j'ai le vert. Ouais, putain, j'ai jaune. Ouais. Ah merde. C'est quoi ça? C'est la garde? Faut aller à droite. Ouais, ça, c'est la garde. Bah, je suis ah, défoncé. Ouais, mais pas. C'est moi qui te défends parce que tu m'as donné allez, le. Fais un petit Shoryuken. Oh là là, je suis mort là. Ah oui, je suis en mode rigidité cadavérique. Voilà. Le bleu a gagné, c'est parti. Ah, c'est le vrai jeu là? Ouais, y a des... Oh là là, mais il est énervé le bleu. Alors, qui est qui? Alors, moi je suis le bleu. Karaté, c'est on le vert. On peut pas se relever quand on est. Karaté est vert, la couleur du guac. Le rose, c'est Jill? Non, je suis morte. C'est Verdier. Donc Jill est. Était jaune. Je sais plus. Allez, casse-toi, moi, Verdier. Moi, je suis jaune, mais. Wouah, wow. GE2. Ah, oh, il est invincible. C'est à cause de Facebook, ça. Les jeux sur Facebook, c'est puissant. Hein. Comment tu tires? Ah non, oh, mais viens. Mais non, mais fais pas ça! Pourquoi tu fais ça? Je t'ai vu. Oh là là, j'essaie de prendre les boutons. Je t'ai vu et tu m'as donné des envies de meurtre. Ah, je suis mort. Oh le mec, oh ça pétarade. Bam. Oh il a jamais bien tué. Joué. Le premier qui tombe, il a. Ouais, ça va être un peu la merde. Oh là, un Uzi. Hop, c'est là. Wow. Il y a du wall jump. Allez hop là, tout est esquivé. Je suis mort, je crois. Complètement. On peut one shot. C'est one shot. Oh, il tabasse le cadavre de Verdier. Oh là là. Oh, ça allez, tient là mal réel. Hein. Putain. Eh, il est pas mort Verdier en fait. Ah bon okay. Si, si. Ah non, c'est... Oh. Putain, c'est 48. C'est mon cadavre, hein, c'est tout. C'est hein. Ça. Oh, nous joli. J'ai mis deux balles. C'est donc ça, les petits blindés. C'est un petit jeu indé, ça. Oh, je suis tombé. Allez, faut sauter, oh là monsieur. Là. Oh, je suis baisé. Oh non, j'ai esquivé. Ouf. Ouh là là. Ouh là là, je suis pas mort. Ah là, je suis mort quand même, parce qu'un coup de snipe, ça me paraît très bizarre. Saute, 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 saute.
Mash-up. Oh non. Je sais pas, c'est... Oh, ça fait une onde de choc. Stylé ça. Ah, allez, allez, wall jump, allez, wall jump. Hop. Oh, il a, oh, il a crash. Oh, oh. J'ai un serpent dans ma botte. Oh, pouah, ce skill. C'est qui a tué qui? C'est, bah, je sais pas, mais moi, c'est moi qui a tué. Ah bon? Oui. C'est son temps, il a la couronne. Oh là, c'est quoi ça? C'est passé, wow. C'est cheaté, wow, ce truc. C'est les Shunpo de Bleach. Oh non. Oh non. Non, cette non, fois. Non, il y a mes sécu d'Asiat. Oula, oula. Oh. Bon, bah, très bien, j'ai gagné. J'ai voulu tuer. Oh là là. Oh. Ah, ah, ça va, c'est une disqualification, ah là là, ça. C'est une disqualification. Oh, gagné. Mange-le. Mange ça, j'aurais dit. Et Verdi qui joue à Shadowverse en même temps. Putain. Je suis ultra concentré. Verdi, hein, joue à Shadowverse en même temps. Putain. Je suis concentré. C'est qui le bleu là? Le GE bleu. GE bleu, c'est ça, c'est GE bleu. Elle est morte? Oh merde, non, 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 merde. Oh, j'ai gagné parce que l'écran a tourné. Tu t'es bien assuré, tu t'es acharné son cadavre là. Dans le double, je suis sûr que tu sois morte. J'avoue qu'il est pas mal le jeu, hein. Ah ouais, t'as bien. Un. Mais moi, oh, je dégage Verdi. Oh là là, tiens, en fait. Ah, ah. Shoryuken. Mais c'est se régler. Mais non, mais elle nous laisse nous régler, t'es con. Oh là là. Oh là là, oh là là là, ça tire. Oh, wow, get wrecked. Ce que t'as fait, c'était incroyable. Avec le peu, le moins de conviction au monde. N'oublie pas que vous avez une garde, par contre, c'est très long, très peu. Tu vois, ça se consomme. Tiens. Ah. Ouais, mais... Ouh là là. J'ai le bon plan, j'ai le bon plan. Ah merde. Ah, bien joué. Vicotoli. Ouais, il veut ma mort, GE2. Mais on est d'accord, il n'y a pas de notion de HP. Ah, compris. J'ai gagné. Si, il y a plusieurs coups, mais on sait pas les HP qu'on a. Quoi, Rizzo, il y a des HP. Tu sais pas, en fait. Mais en fait, tu peux prendre plusieurs coups, mais on sait pas nos points de vie. Quoi. C'est du genre vraiment, ouais, tu frappes. C'est le pif un peu. Oh là là, prends le gun. Je me confonds. Bouk, bouk, bouk. Sors les calaches comme un morceau. Wouah. Je sais même pas comment j'ai gagné. Putain, Verdi, il gagne. Il joue à moitié, il gagne quand même. Oh là là, l'embrouille. Ah, il meurt. Ah, j'ai perdu direct. Ouais. Perdu. Attends, vas-y. Ah, allez, wow. Bah oui, tu t'es World of Warcraft. Oh, putain. Ah, y'a Zoltan. Of Warcraft. Salut Zoltan, on a bien mangé, hein. Voilà, merde. Non. Merde. Calme-toi, calme-toi. Je reconnais Gilles à son style agressif. Oh là là, mais pourquoi tu fais ça? Gilles est toujours agressive. Hein. Regarde, elle tire partout sans jamais viser. Non. Et elle va mourir, tu vas voir, voilà, c'est ça, l'agressivité. Cette survie, cette survie, putain. C'est la meuf qui va au tournoi, ah, et coulou, te coulou, tue coulou, toi, mais tu auras jamais personne d'autre. Hop. Oh là là, tu m'obliges, bordel. Mais l'impact des armes, il est génial. Mouk, mouk, ah, mais grave. Mouk, mouk, mouk. Non, voilà, mais les armes, elles ont une patate. Moi, je voulais pas des lasers. Ouais, c'est quoi ça? Oh là, je... Oh là là, King of Sticks. King of Sticks. Merde. Ah, ah non. Ah, je suis où? Oh là, j'ai pris une balle. Oh là là. Wow. Ah, mais t'as vu, il y en a un, il a sorti un bouclier. T'es renvoyé, j'ai appuyé sur... C'est la garde. Non, mais la garde, elle arrête les balles. La elle garde, peut renvoyer au dernier moment, je pense. Ah, c'est un pari. Tu just gardes. Ah, c'est un pari. Ah, merde. Oh, oui, c'est le truc qui... Attends, mais le jeu, il est ultra technique. Je croyais que j'étais rose, pardon. Je sais pas pourquoi. Vas-y, vite, vas-y, tonton. Mais non, faut qu'on revoie. Ah non, bah oui, mais tu non, mais attention, mais... il y a un compteur. Attends, vas-y. Elle va exploser. Vas-y, voilà, c'est ah, bon. Bien joué. Vas-y, tire que celui si la balle est là. Ah non, t'inquiète pas. Qu'est-ce que... Regardez-moi, Jill, elle sert à rien. Mais Jill, bordel. Jill. Bon, bah, Jill avec les gueules. Ah là 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 là. Bah, mais t'as jonglé 3 heures. Tu as fait la chose. Tu as fait la chose. Le faux follet. DF Noitel. Voilà, Verdi, il s'est suicidé. Ah. Ah, ah, c'est Megaman, ah, c'est Megaman 1, c'est le boss, hop, de Megaman. Hop, oh, hop, 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 putain. Oh, putain, il a réglé. Il est trop bien, jeu. Moi, j'avoue, ouais, que le jeu pour bien. 5 balles, franchement, c'est pour un kebab. Merci, ça les va. Autoshow. Les, bon, les bons plans, oh, les bons plans, Risotto, les autoshows. Risotto, la mini-gamer, bien évidemment. Ouais, alors j'ai peur. Là. Oh, un gun. Oh merde. Oh fuck. Mais il est passé à travers. Bah, j'ai t'es, pas. T'es passé à travers le décor. Bah, il y a eu le recul en fait. Allez, allez, oh, oh le dingue.
Oh, Verdier qui brave tous les dangers. Ah ouais. Oh, rien que son Reyatsu. Il a figé. Il a figé l'adversaire. Non, mon Dieu. Mais ça tombe là les trucs. Mais non, non, oh, là, non, ça non, non. Ah, la baiserie. Non. Oh, oh là là. Ah, je me suis fait exploser. Yes. Oh là là, real nice. Oula. Donc on rappelle que ça s'appelle Stick Fight, c'est sur Steam, ça coûte 5 balles. Donc vraiment, dès que tu touches le laser, c'est pour mort. Pour 5 balles, hein, moi je dis, c'est validé. C'est raisonnable. Allez le choper. J'avais pas vu que si tu touchais le laser, c'était fini, quoi. C'est un peu le launch play. Le launch play, c'est ça. Ouf. Bah, Jill, on pourra l'ajouter à la liste du launch. Oh là là, il s'est pas fait broyer les os. Oh, cette souplesse de Gilles. Oh la chatte. Oh la chatte en nougatine. Putain, putain. Ça va y dire. Tu parles en nougatine. Ah non. Wow. Une chance insolente. Wow. En tombant. Oh l'autre, il arrive en tirailleur sénégalais. Oh là là. Oh putain, un petit kick. Aïe, oh, c'est la aïe. Mais non, mais vaut mieux éviter les embrouilles. Mais moi j'essaye de vivre et on me tue. Oh, pompe dans la gueugue. Tiens, ah, mais non, tu tâtes pas, je regardais le chat. Il dans la gueugue. Ah putain, on a essayé en même temps quoi. J'ai regardé le chat 2 frames et je suis mort. Et c'est Gilou contre GE2, GE2 en bleu, Gilou en jaune. GE2 qui a le gun. Eclipsia contre Eclipseuse. Oh, Eclipsia qui gagne. Et ça, c'est beau. Des arbres roses. Oui, aïe aïe. Qui a le truc? Oh putain, je crois qu'il était mort. Enfoiré. Non, les serpents. Ah, je me suis fait bouffer par mes propres serpents. Moi, je suis tombé dans un nid de serpent. Non. Putain, pourquoi ça veut me régler là, comme par hasard? Comme par hasard. Oh là là, non. Il y a bien un mode online, nous dit Risotto Show. On l'a pas dit, mais en vrai, Risotto Show, c'est ses potes qui ont fait le jeu et ils touchent un intéressement. Oh, fais gaffe. Ouais, je peux pas faire gros. Ouais, le plus safe, c'est de monter, ouais. Ah, oh, je me suis suicidé. C'est la pire arme, hein. Prends pas ça, tonton. Oh, tu peux faire un stomp, en fait. Si tu sautes et tu fais coup, tu fais un... Ah oui, d'accord, très bien. Ouais, tu vois, prends pas ça, c'est de la merde. C'était complètement de la merde. Hop, un pacte de non-agression a été signé. Ok, ça va. Oh là là, ça tire, putain. On est bien là, non? Ça tire à balles réelles. Ah, allez, vous me pétez la gueule, pas je me le. Tiens. Pas du tout, c'est pas vrai. Ah, il est mort. Oh, putain, je suis déjà mort. Ah, tu l'as eu au HP. Ah, j'ai voulu t'avoir dans la mort. Dans le. Dans la mort. Par contre, Rizzo, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de score. Tu sais, dans Samurai Gun ou machin, Tower Fall et tout, t'as un score et tu sais ce qu'il se passe. Faut tirer des tendances. Non, parce que là on en a fait beaucoup et il y a pas. Tu vas prendre le fusil à pompe de Ken, tu vas voir. Non. Là je suis posé là, tu vois. C'est marrant cette façon de gérer le tempo. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Du coup tu joues jusqu'à temps que t'en aies marre. Neymar. Ouais. Ouais, mais tu vois la notion de ouais, j'ai gagné best of 3 ou machin, c'est ça ment quoi. Qu'un peu le score, c'est l'instant présent. Sit down. Ouais, mais le score non, il faut Joyper qui note, tu sais, comme à la FDJ, tu vois. C'est ça. Elle note les stats. Ah, t'as plus de balles, c'est con hein. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font la paix. Ah, oh, se chasser dans la gueule. Hey Jill, tu peux t'en sortir, bravo. Hop, ça moi. Non, ça moi. Non. Moi je reste là. Putain, mais voilà. Et Gilles. Attends, il est pas mort, carrément. Oh, non, il s'est caché. Ouais, il s'est caché. Il s'est caché. On a crevé quand même. Tant de skills pour ça. Karaté, il est sorti du buisson. Blue, mais comme un ninja. Comme un ninja. 28 kills. Ah, c'est le bleu qui nous domine. Hein. Ah, c'est le bleu. C'est GE2. Hein. T'as mis Gilles. GE2, le skill de sac à dos. 10 kills. Ouais, c'est... Ah bah tu vois, à un moment ils disent... Ça c'est l'école Isaac hein. Green has fallen. C'est Spelunky Isaac hein, c'est ça hein. Et oh, voilà, je suis mort. Viens pas te taper, viens pas te taper. Oh là là, mais Gilles, viens oh pas là. Taper. Vas-y viens, je t'attends. Qui utilise la garde? Moi. Ah, c'est pour ça que t'es premier. Et là, c'est qui a gagné? Oui, c'est pour ça. Parce que moi on a eu tes 28 kills. Ah non. Mais putain, mais foutez-moi la paix. C'est ça, GE2 c'est un joueur de mêlée. Il connaît la garde. Oh, ça a l'air du temps. Oh, j'ai compris. Qu'est-ce que ce style? Ah. Oh non, non. Stick Tastic, c'est Mr. Boombastic. Oh. Alors. Alors.
Voilà, j'ai tué GE2. Ah non, moi je reste là, moi je m'en fous. Hein. Tuez-vous, moi je suis bien. Mais non. Moi aussi. Mais non. Ça... Oh là, tiens, voilà. Dégage. Et moi je suis bien. Putain. Faites-vous la bagarre, moi je prends. Mais bordel, mais Jill, tu as fait ça. C'est Verdier l'appuyé. Gilles Verdier. Regarde, Gilles, elle attend. Et là Gilles Verdier. Ah bah c'est ça. Fais cette fusion. Gilles Verdier, n'en touche pas à mon poste. C'est ça. Elle appuie sur start pour gagner. Tire, putain, je me suis tué. Oh là là. Tiens, mais non, il y a les côtés qui font mal là. Les côtés. Oh là là, ça tire à vue. Oh, je suis vivant. Ah non, je suis là-haut, mais oh, merde, je suis mort. Merde. Non. Bam. Bam. Oh, empalé. Bam, bam, Bigelow. Oh là, je suis tellement mort. Oh putain, je me suis fait mort. Oh, wow, wow. Stomped. Oh, il s'est fait stomped. Voilà. Oh, ah, je me suis encore trompé de perso. J'ai tué j'ai regardé le jaune. Oui, bon, tire oi, pas, oi, tire oi, pas. Oi, 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 oi. C'est quoi la garde là, je vois mettre c'est la garde. Gâchette. La gâchette gauche. Une gâchette qui met la gâchette. Oh non, j'ai oublié. Et si, de mêler, si tu hein, fais au bon moment, tu peux envoyer les balles aussi. Allez hop, on casse tout. Oh non, putain, tonton. Mais Jill, elle attaque plus vite que moi, c'est un truc de ouf. Ah bah Gilles, elle attaque plus vite que moi. C'est la jeunesse, c'est la quand on vient à bourrer le bouton, c'est tout le temps N qui l'emporte. Oh non, mais putain, mais. Oh non, non, mais tape pas. Oh là là. La mort. Mais perso, oh, un double saut. Ouais. Quand t'es contre un mur, mais quand, mais dans le vide. Putain. Flotter raid. Les animations sont tellement smooth. Bah, c'est des sticks, hein. Tellement smooth. Un super jump. Je me suis fait planter. Un super jump. Et tu peux faire un bao. Oh, c'est Bao. Moi j'étais en train d'essayer de comprendre. T'es sûr mais... oh, non t'as... ça là ça fait. Ah un... j'avais pas ça. Bah tu oui bah, j'essaye de comprendre bah, moi, bah, je oh sais non pas... c'est pareil hein. Oh pareil. Merde. Oh oh. Ah mais non il y a le truc qui arrive. Oh là là. Oh oh bah, mais moi j'ai... Moi je me... L'autre mais arrête de pousser bah, mais, oh là mais là c'est là l'autre qui me tire dessus. Moi je voulais me cacher aussi. Attention ça va se refermer. Ça va se refermer. Oh là je suis toujours le mec qui ça va se refermer putain. Oui. Non, ah, non. Oh joli. Oh, j'ai rien compris. Ah c'est moi qui ai gagné. Ah c'est ouais. La guerre. Ah putain je comprends jamais rien. Mais Jill en tant qu'ancienne Eclipsia, elle a, oh elle a un perks sur ce genre de jeu tu vois. C'est sa vie. Oh là là. Ah, oh, les gars. D'accord. Ok. Karaté putain. Non, ah c'est ouais, je gagne jamais hein. C'est je suis pas là pour gagner. Je suis pas là pour souffrir ok. Oh putain. Oh je suis mort. Moi j'ai la croix. Ça dégage. Hop. Allez. Attention, Verdi, il attend là-haut. J'arrive. Avec son gun. Voilà, tu sautes, t'es mort. Ouah, il a failli se tuer tout seul. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Tout ça pour ça. Oh, Gilles Verdier. Alors qu'il pourrait Gilles casser Verdier, les trucs. Gilles Verdier. Ah, il y a d'autres armes. Tire, tire, Gilles Verdier. Comment tu fais pour changer d'arme? Tu peux changer d'arme? Tu sais, automatiquement, en fait. Bouc. Oh là là. Oh là là. Oh, cette exécution. Oh là là. Cette exécution. Mais oui, mais j'ai voulu aller chercher, mais. Moi, tu viens m'embrouiller tout de suite, laisse-moi. Laisse-moi vivre. Mais non, mais me tape pas. Me oh tape là pas. Là. Mais c'est un jeu de baston. Me tape pas. Bordel. Oh merde. Voilà, oh autant mourir, autant le faire avec panache. Gilles, elle est violente. Hein. Mais Gilles est pile dans le ah. Arrête. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. C'est la moralité. Attaque moralité. Oh, en fait, t'as envoyé des petites fusées en fait. C'est stylé ça. Stompède. Elle a jamais servi là, mes fusées. Ouais. Ça a l'air. Oh, où oh, suis-je? Putain, j'ai pris les trucs oh, bah, sur la d'accord. Gueule, je suis mort. J'ai pris les trucs sur la gueule, je suis mort. Pure skill. Alors que je me suis dit, je suis en bas, je fais rien, et bah non. Ça, c'est un truc qui se pète, hein, ouais, effectivement. Oh le coup de bâton. Ah non, elle est pas morte. Non. Jill, elle est forte pour survivre en fait. Mais non, mais non, il faut survivre. Mais c'est pas, comme ça pas, dans sa vie, pas. C'est comme ça qu'elle a grandi. Mais je veux aller là-haut. Fallait qu'elle survive. Vas-y, je te laisse monter. Ah, merci. Voilà. Ah, oh là aïe 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 aïe. Je te tire dessus. Défonce. Oh, ah. Oh, je l'ai désarmé. Oh, putain. Voilà, bon, je l'ai désarmé, comme ça j'ai deux, il va gagner. Voilà. Ah non. Et il meurt. Arrête, tu gagnes. Tu gagnes parce que t'es mort en dernier. Exactement. Ouais, c'est comme Gang Beast. Waouh, mon personnage il a fait nawak. Attends, c'est dans je suis dans le décor. Waouh, wow, okay, bon. Gilles, elle s'est glitchée. C'est bon. Ah non, je suis... En plus, la musique oh, est cool. Cool. Ouais, ça va. Mais hey, Jill, c'est toi. Mais, non, 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 non. Je non, non, non. C'est Verdier. C'est Verdier. Je l'ai vu, c'est Verdier. Mais non, mais j'appuie sur le bouton non, taper. Tu sais pas pilonner, Verdier.
Tu ne sais pas pilonner. Ouais, il pilonne et tu sais, il appuie là à côté. Ah, mais j'ai un petit gun. Enfin, j'ai un petit fantastique. Oh, Verdier est chaud là. Bah, qu'on appuie start. Bah, j'appuie pas sur start. Il revient dans le game. C'est quoi ça? Je sais pas, mais. Diffusé. Ça va exploser. J'en ai une dans mon cul. Ouais, ouais, une écharde. Ouf. Et le bruit des armes, il est génial. Oh, je suis mort, j'attendais en dessous, je suis mort. Oh putain. Merde. Tiens, j'ai E2. Je sais pas de quoi tu parles. Planquer ce giga Etienne. Regardez, on dirait que. Voilà! GG! Planquer ce giga Etienne. Ce verre. Ah bon, moi je sais à rien. Est-ce qu'il y a d'autres modes de jeu, Risotto Show? Oh putain, je voulais faire. Parce que tu vois, il y aurait du 2v2. En fait, moi, c'est le volleyball tout le temps, limite, tu vois. Le volleyball tout le temps serait pas mal. Oui, c'est passé quoi, ouais. What the fuck? Touché. Oh merde, t'en as au cul! Attends, tu prends pas de dégâts du coup? Ça tabasse le cadavre de Jim. Ah, tonton va être déterminant dans cette game. Attention! Attention! Wow! Oh, il m'a signed! De toute façon, c'est lui qui décide de la victoire ou de la défaite de chacun. Il faut attendre une arme quoi. Ça va? Ça va, moi ça va. Mais il se passe pas un truc au bout d'un moment si vous attendez trop? On va voir. Hein. Non, mais il y a une arme, voilà. Ah, en fait, il faut l'attraper au vol. Oh là là! Ah. Oh, attention! Oh, c'est. Oh! Bien joué. Ah, t'es, il a besoin de personne, tonton. Bah, j'ai voulu attraper l'arme. J'aurais pas dû. L'armure. Ah, putain, j'ai le diamant. Putain, c'est trop dangereux. Comment t'as fait pour t'accrocher comme ça? J'appuie sur les boutons. Il est mort dans les décombres. Oh merde. Oh, bah, oui, merde. Je suis un fou baiser américain dans ma tête. C'est ça. Il va mourir dans les Do you know Las Vegas? Do you know? C'est trop tôt, Verdier, trop tôt. Je suis mort. Je suis mort de ma tête. Ah, putain, t'es là, j'avais pas vu. C'est faux. Ah, mais y'en a un qui se cache. Ah oui, il est planqué. Bravo. Oh là là. Oh, ah, bien joué. Ah, Vicotori. Jeu. Non. Tiens. Oh là là. Fla. Bah, mais... on est où? Bah, je sais pas, Jill, mais. Oh merde, non. Ah, Jill, vraiment. Jill en 1v1, elle m'a toujours tué, hein. Elle m'a toujours réglé, y'a aucun problème. La mort. Je suis pas mort. Il est vivant, Karaté, hein. Je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il a la meilleure stealth. Oh oh, j'ai failli gagner. T'as mis tout ce ski pour mourir comme ça toujours. Tout le temps. Toujours le point levé. Mais j'ai la garde, là. Oh là là, mais c'est pas possible. J'avais de l'arme et je suis mort. J'avais l'arme, j'ai pilonné. Putain, mais Jill, elle rate jamais un coup, c'est un truc de malade. Mais y'a combien de boutons dans le jeu? 2, 3. Y'a quoi? Y'a saut, taper, garde. Non, on ne fait pas ça. D'accord. Ah, je sais pas trop quoi faire en fait, là, je suis un peu perdu. Prends cette arme. Voilà. Tu tires sur sa plateforme, il va tomber comme ça. Non, sur la sienne. Oh là, la sienne. Là, c'est trop difficile de viser en fait. Oh là là. Ah, oh la folle. Ah merde, j'ai essayé de tirer en même temps en sautant, mais c'est pas battu, grave. Battu Nice. Par le jeu. C'est la finale de la Ligue des Champions. Ah, je suis parti. Alors, elle est un peu rancunière là. Oh non, mais. Il est où, Karaté? Moi je suis. Ouais, je suis mort. Il jongle avec les armes. Ouais, tu jongles, en fait quand il tombe dessus, il la prend en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était le truc de, tu sais, de smash là. Tu sais, je me fais boxer, je sais pas, je dois pas savoir piloter. Ouais, moi aussi c'est pareil, hein. Face à Jill, j'ai jamais gagné un match hein, comme ça. Faut pilonner comme un sagon, en fait. Ah, regarde, je suis pas mort en plus. Oh non. Oh là, ce jeu. Oh, rect. Oh, rect. Survie. Ah, je reviens. Mais moi je saute un peu dans tous les sens et tout hein. C'est ça. Je pilonne. C'est une bonne strat hein. Pilonne. Pilonne, 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 pilonne. Ah voilà, j'ai pilonné. Je pilonne. Eh là c'est pas moi, tu vois. Là c'est pas moi, tu vois. Putain, mais Karaté. Putain, Verdier, mais t'as vraiment une maladie. Oh, avec le bouton start. Oh, j'ai gagné. J'ai gagné. Voilà, en appuyant sur start, c'est normal qu'on gagne. Mais putain, mais Jill, mais bordel, mais. Mais c'est parce que Jill, comme dit dans le chat, elle fait les lunch play. Et du coup, elle se tape. Mais la reine des pilonneuses. Dès que je suis face à elle, je prends bla 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 bla. Oh, il y avait les serpents.
Regarde, c'est tout le temps elle qui me touche, hein. Y a... Alors que je pilonne un pareil. Hein. Merde, ils m'ont vu. Eh, je suis mort. Ah oh, aïe, aïe. Putain. Ah, ça calme, ça. Oh là là. Hey, là. Ah oui. En tombant, avec les gars, ah, avec style. Non, mais j'apprends à pilonner. Oh, non, hein. Non, tonton, s'il te plaît. Merci. Rien. Le plaisir. Ah, j'ai tué Gilles pour la première fois dans ma vie. Putain. Moi, je suis bien là. J'ai jamais réussi à prendre l'arme. Bras. UA. Comment tu fais pour viser? Bah, je. En fait, voilà, si t'as le droit on est en train de se tuer un, alors un que le versus. En gros, comme si tu il marches, là. Du coup, ça vise où tu marches. Ça, en fait, voilà, en gros, c'est ça. Viens pas m'embrouiller. Okay. Viens pas m'embrouiller, tu vas pleurer. Tu vois, là, tu vois qu'il se déplace, tu vois. Si tu sautes, il bouge, toi, comme si, par exemple, si tu cours, tu vois. Ouais. Ah, d'accord. T'as putain. Hey, wait. J'ai jamais réussi à toucher quelqu'un. Je t'ai dit, viens balle. Pas m'embrouiller, tu as pleuré. Oulala. Il y a une fusée dans le fion, ça va bien. Bouffez le chien. Ça mort. Putain, mais tu sais pas quand tu meurs dans le jeu. Skills. Ouais, c'est vite fait. Hein. Ah, les décors. Tiens, un tonneau. Je suis en 1v1. C'est fou parce que depuis tout à l'heure, il y a encore de nouveaux décors. Alors qu'on en a vu quand même beaucoup. Je suis en 1v1 contre Jin, le donc la... le jeu est quand même riche. Oh, un V1 Verdier qui gagne. C'est vraiment trop. Là, les scores, là, par contre. Yellow alors. Is definitely the best player. Wow, Gilou 49 kills. Le meilleur pilonneur. Gilou avec 49 Green kills. Green has no one else has the few. Ah, tonton dernier. Tonton dernier, un pacifiste. Ouais, mais je suis en train de revenir, là. Un pacifiste. Regarde comment je tue, là, pas. Ah, tonton, t'es aussi tombé le plus de fois. Tout seul, oui, je sais. En fait, elle court tellement quoi. Le rouge, non, c'est celui qui. Verdier, tu es celui le plus précis avec les armes. Bah, eh oui. Et là, c'est pas moi. Tu vois, là, on appuyait pas. C'est abusé, hein. Là, on est d'accord que voilà. Verdier a chopé 90 flingues. Comme toutes les autres fois. Ouais, Verdier, c'est l'homme des flingues. Blue is dead. Mais tu vois, là, en gros, quand t'as eu ça, tu peux considérer que c'est la fin de la partie, je pense. Blue. What? Oh bah, non! Die. J'ai sauté au dernier moment! Verdier, ouais! Ah, pas trop tard! Mais bordel, mais Jill! Elle prend 3 balles dans la gueule, elle recule même pas! Wouah! GE2, comment il a contré! Oula! Oh là 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 là! Oh, j'ai pas le temps! GE2, comment t'as contré le flingue là? Merci. Oh là 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 là! Oh, oh j'ai eu deux! Tom, j'ai eu deux! Ouais, en fait, elle a poussé ce truc et il a cherché. J'ai eu deux, le skill! J'ai eu deux, il oh fout le pari là! La gâchée! Jill! Oh! Mais oui! Oh putain! Oh merde, non, ne perds pas! Fuck this shit, man! Oh putain! Ouais, j'ai trop mal de toute façon! Mais je veux pas aller aussi loin dans ma vie! Avec quelle pilonneuse! C'est clair. T'es la meilleure pilonneuse de l'histoire. Voilà, tiens. Oh, nice! Oh, je l'ai tué, cette poufiasse! Oh, le type de mec mort! C'est le mec mort! Ah, tu bourres mon cadavre, quoi! Oh, c'est pas une arme. Oh là là, putain. Ça va, les gars? Mais ce pacte de non-agression. Ah, y'a pas de flingue! Oh, je l'ai tué! Ah non, il non, fait non, le mort. Non, il fait le mort! Ah, il fait le mort! Ouais, c'est bon, je vais arrêter. T'as les techniques de faire le mort, quoi. Mais t'es mort, tonton. Ah oui, mais. Ah, regardez-moi ça! Pilane! Comment tu te défends d'ailleurs? Elle. Regarde, elle sait pas comment on se défend. Bah, oh là là! Ouais. Non, pas maintenant! Ah, c'est bon, on s'en bat les couilles. Oh, les serpents, des tonneaux! Oh là là, c'est la mort. Oh, ah, mais moi, c'est des collègues à moi. Peut-être tu tombes en bas, il y a des serpents. Oh là là, serpentard. Ah ouais, faut pas aller voir. J'ai jamais gagné contre Jill de ma vie. Hein. C'est impossible. Hein. Moi, je l'ai impossible. Réglé. Elle pilonne tellement. Non, mais c'est ton match-up. Regarde, mais avec une épée, je perds. Ah non, avec... mais le serpentard. Des serpents partout. Des serpents dans l'avion. Je me fais bouffer, putain. Oh là là, je me suis fait grailler. Oh là là. Ah, oh, j'ai deux, il est là. Ah, mais c'est plus trop fort. Mais en plus, moi je suis vert, alors je vois pas. Mais regarde comment elle s'excite, Jill, dégueulasse. Ça gagne. Verdier, tu verrais ses mains à Jill. Non, mais regarde ses mains.
Regarde ses mains, c'est que ça, c'est Oui. Et il y a écrit pure skill alors qu'elle fait que bourrer. Bah oui. J'avais vu quelqu'un bourrer comme ça. Aïe aïe aïe. Oh les patates de foire là. Regarde, hein, versus, ah ouais. Versus une arme, hein. Ouais. Versus une arme. Versus une arme, ouais, rien à battre, elle a jamais perdu. Hein. J'ai jamais réussi à la toucher, hein. C'est violent. C'est parce que tu ne peux pas frapper une femme, Verdier. Ouais. Usez vos balles. Je suis comme Sanji. Ça me fait plaisir. C'est ça. Bah donc ils usent leurs balles. Et après. Et jeu de nous. Ah. Oh là là, flawless victory. C'est bon, j'ai tué Verdier avant de mourir, ça me va. Oula merde. Oula. Ça va, tu te crois. Oh ça se tape. Ça se tape à droite. Ouah. Oh là là, oh là il m'a tellement signé. J'ai mis un bouc. T'es tombé. J'ai mis une bouc mentance. Ouah, Jill. Oh bah t'es en 1v1 contre Jill, t'as aucune chance. Hein. Oh merde, je vais la tuer moi. Mais t'es revenu. Ah non, bah il est revenu. Oula, c'est quoi qui se prépare là. Je sais pas. Attention. Oh là, ça charge le Genki Dama. C'est le Genki Dama. Oh le Genki Dama. C'est l'Ultra Instinct. C'est l'Ultra Instinct, il arrive. Ah, attention. Vas-y, repousse-le. Repousse-le, Jiren. Ouais, j'ai gagné. Repousse-le. Ouais, le skill. Oh, y a écrit, y a... C'est le skill, bien évidemment. Ah, ce Genki Dama dans la gueule. Putain. Va dans le flamme. Dans le froid, dans les... Oh là là, là. Victorious. On te dit... L'art de ne rien faire, mais au bon moment. Victorious Boxer. Mais y'a combien, y a combien de niveaux? Ah, easy! Mais toi t'as gagné, je suis avant toi! Mais putain, mais c'est violent! Ça gagne encore! Oh, c'est ce beat le réveil, le réveil de karaté! Faites attention, ça tourne! Ça tourne, ça tourne à Manhattan! Ça tourne, ça tourne! Fais attention, Gilles de la Tourette! Mais je suis en dessous là, c'est bon! Oh, l'esquive! Oh, tonton, quelle esquive! J'ai jamais réussi à toucher Gilles de l'histoire! Oh, mais lui il est pas mort! C'est violent! Mais il est pas mort, Gilles! Je te jure, c'est impossible de la toucher! Elle est immortelle. Regarde, Gilles, non, c'est jeu 2 qui se cache. Mais il va tuer jeu 2. Oh là là, mais quel jeu 2, c'est un petit malin. Ça se voit que c'est un joueur bah de Smash. Oui. Hein. Bah oui, ça, c'est les joueurs de Smash. Hein. Coucou. Tire-lui. Allez. Oh là là. Pilote, pilote, pilote. Dier, 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 dier. Vert, dier, dier, dier. Oh merde. Il y a un truc qui arrive là. Combat de pilonnage. Ouais, attention, attention, attention. La fin du monde arrive. Bouage d'abruti. Ah oui, la mettez de la crème. Hein. Protège-toi. Ah. Mettez de la crème anti-UV là, ça va brûler. T'aurais dû te rester en fait de l'autre côté. J'essayais de tirer avant de mourir. Est-ce qu'il y a un angle où on peut survivre? Oh là là, mais il viole le cadavre. En fait, tu dois sauter plus loin que lui, du coup. Mais pas en... Ah. Oh là là, c'est ton... Ah, succès. Non, ça a déculé avant dans Lance 2. C'est quoi ça? Oh, j'ai pas une savoir. Oh, ça explose. Oh, je suis morte. Elle va monter, ouais, c'est pour ça que j'essaie de monter, mais... Oh là là, je prie, oh là là. Allez, Verdier encore, mais t'as une maladie. C'est pas moi. C'est pas moi, je suis pour rien. Là, j'y suis pour rien. Pourquoi, à moins que le bouton, à moins que le bouton L3 fasse start, mais... Bah, je crois, hein. Si le bouton L3 fait start, c'est moi, mais... Sinon, putain, mais Giga Etienne, quoi. Ah, mais Etienne. Regardez, regardez où est Giga Etienne. Regardez où est GE2. Bah oui. Regardez-moi cet homme de la fourberie. Tu vas faire pareil, le copieurs. Regardez-moi ce GE2, mais putain, allez le chercher, putain. J'y vais. Pareil, de l'autre côté. Regarde ça, Gilou, elle y va. Verdier, je copie. L'assassin, Gilou, oh l'assassin. Là. Regardez, Gilles, attention, Gilles, courageux. L'assassin, on se crède. Aïe, 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 aïe. Oh, il va. Oh, voilà. Là, ah, là, il va remonter, il va remonter. Il va remonter comme un cafard. Moi, je suis bien, là. Ah ouais. Tu tires vers le bas. Mais fais gaffe, il y a Verdier qui arrive. Ah, il y a Verdier qui attend, mais quelle fourberie d'escarpin. Saute pas, il y a Verdier, il va te Verdier. Ah, mais là, tout est loqué, du coup. Je vois que quand il pilonne pas la manette, il y a pas de start. Hein. Ah bah mais... c'est une maladie. Mais c'est une maladie, Verdier. Bah non, moi je suis là, regarde. Non, arrête, tonton. Non, c'est pas tonton. Moi, hein. C'est moi. Ah. Vraiment, ouais, c'est pas c'est lui. C'est super hein. Désagréable, hein, celui qui fait ça. Hein. Oh, Verdier. Oh, voilà. Ah. Voilà. Il avait dit, on lui avait dit. Oh là là. Oh, comment il a contré ça, mais GE2, il lit la frame. GE2, c'est Néo. Oh là non là. Mais, c'est pas possible. Il voit les balles. GE2, il les voit arriver, les balles, il les arrête à main nue. Ah, ça a pas marché à chaque fois quand même. Plus les dégâts tu prends, moins ton bouclier marche du coup. Ouais, en fait, c'est plus tu utilises en fait. Et à la fin, il faut qu'il se recharge. Enfin, au début, il est. Tu vois, au début, il brille, donc tu peux renvoyer. Mais à la fin, il brille plus quoi. Oh là là. Wow.
Ça fait tiens, tu les as détruits. Tiens, sabre laser, mon cul. Ah là, un sabre laser pour sabre me laser, faire bourrer le cul. Ah, y'a un sabre laser. Wow, mais c'est trop fort. Vous pooper. C'est beaucoup trop fort. Alors là. Oh là, ça sent la mort. Ça, ça devient des stages de N+. Un peu, y'a un peu de ça. Ouais, c'est ça. C'est bon, je suis mort. Oh là là. Oh non. Oh BOOM. Aïe aïe aïe, désintégré quoi. Viens pas m'embrouiller, tu vas pleurer, Verdi, tu le sais. Oh, regardez-les à droite là, Karaté et Verdi. Putain, et ça survit hein. Et ça survit. Oh, merde. J'ai touché. T'as touché R. T'as touché R, le zéro. Oh, zéro. Aïe. Oh merde. Oh là là. Oh 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 oh. Oh, je... C'est quoi cette arme? C'est quoi cette arme? Prends ça, prends ça. C'est la Gatling. C'est la Gatling gun nu. Oh, il la veut, il la veut. Oh, aïe aïe. Oh, il la veut, Verdi, appuie s'il te plaît. Wouah! Oh, tire des serpents! Ah! Allez, s'ils vont venir te gratter! Ah, ouais, je peux pas, j'avais les serpents! Putain, je me suis mais les serpents dans l'avion. Elle est stylée la Gatling! La Gatling de serpent! C'est clair! C'est la Gatling d'Orochimaru! Hop! Non! Ah merde! Ah, je suis mort! Oh putain! Il a voulu voilà. Me tuer! Bah, non, non, j'ai juste voulu m'accrocher, Bam moi, Mua. Je voulais juste survivre! Oh, pas mu! Putain, mais merde! Oh mais Jill la pilonneuse. Oh mais la pilonneuse. Ah oh, oui mais cool note. Je sais même pas comment t'as gagné. Bah j'ai, je vous ai pilonné vos races. Putain mais Jill de la tourette. Bon le flingue je le prends pas hein, perso. Mais la pilonneuse. Oh là là. Casse-toi. Non. Vas-y c'est... Ah. Oh là là. Au nage. Il est en nage. Comment elle a fait le saut de l'ange quoi. Putain. Oh là là, c'est ce stage là, bah oui. La chatance. Pardon, je ne fais que passer. Ah vite, non, mets-toi de l'autre côté. En fait, genre là, mais caché. Oh, oh là putain là, de les... merde. Médiéver. Ah putain, ils sont tombés. Whatever. Oh, whatever. Pilonosama. Ah. 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 Oh ah. Merde ah. Bombe. Aïe aïe. Où suis-je? Je suis mort. Oula, oula, j'avais une bombe à côté de moi. Une bomba latina. C'est pas contre toi. Ouh c'est pas contre aïe toi. Aïe 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 aïe. Oh, il l'a exterminé là, quoi. Ah non, je suis vivant. Oh là là, oh là là, ça pète à Wad. Oh, oh là 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 là, ça pète à Winner Winner. Oh mais Jill, mais bordel. Mais Jill oh là là. Aïe, aïe, elle sait aïe, pas aïe, où aïe, elle aïe retombe, elle sait pas où elle tire, mais hop, ça m'a tué. Mais va pas me dire que tu sais ce que tu fais là, Jill, bordel. Allez. J'ai jamais réussi à remonter, hein. À remonter eux deux. Oh là. Oh là, là opération Jill, elle tire n'importe où, mais... Elle tire. Voilà. Ah là là. Oh là. Oh. Et là, oh ça pilonne. Bizarrement. Oh la pauvre. Oh non, ça, aïe, aïe, ça aïe. Va te tuer, ça va te tuer. Ça va te tuer. Oh là là, je te dis. Le retour de bâton. C'est pas faute de lui avoir dit. Bah hein. J'ai essayé de faire un peu de beau jeu. Je dis, le beau jeu. Le beau jeu. Le beau jeu, il fallait le faire quelque chose. Le beau jeu, c'est le gagnant. C'est vrai, t'as raison. Le beau jeu. Il n'y a pas de beau jeu, seulement des jeux gagnants et jeux perdants. Oh, oh, oh merde. Adieu. On va vite s'enfuir. Attends, vas-y, moi je le parie. Ah ouais. Ah pardon. Je croyais que tu voulais me fight. Ah non. Waouh. Ah, le sabre laser, il est violent. Oh là là là. La patte du gain. Ça suicide. Oula. Oh là là, mais pourquoi tant de naines? Ah, mais les pipidos. Oh là 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 là. Tant de naines. Ça se tue, ça se tue. Jésus, il fait le mort? Non, je suis mort. Oh, il est complètement on sait pas dans ce jeu. Oh là là. Oh oui. Oh là oh là, là, putain. Ou peut-être pas. Oh là là. Oh le bâtard. Oh, oh le bâtard, il faisait le mort pour de vrai. Les Crips et les Blobs. Ah, mais il y a un Verdier là-bas. Mais il y a un peu ni... Verdier. Qui c'est qui est pas mort? Bah Verdier, il a continué laser. Attends, mais si non, je bouge le laser. Non, je suis mort moi. Ah mais... Où il est Karatweet? Moi je sais pas où je suis hein. Karaté. Bah non, moi je suis plus là. Le jeu, ah, le jeu a bugué. Le jeu a même pas compris qu'il était mort. Ah non. C'est fini, on s'amuse. Regarde, je peux... Non. Suicide-toi, suicide-toi. Non mais viens me tuer en fait, regarde, je peux faire des trucs chelous, trop bizarres. Non, bah mais ouais, le jeu genre, je pense, bah pas. Suicide-toi. 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 Suicide-toi, je veux. Vas-y, suicide-toi. Non. Celui qui gagne, c'est celui qui se cachait. Hein? Voilà, bon, voilà, y'a. On a fini le jeu! Wouah! Wow. Tu aurais dû nous lâcher quand même. On a niqué. Bah voilà, on a fini le jeu. Bah voilà, bah c'était. Bah, enfin, tu veux pas voir un peu les modes de jeu s'il y a des trucs ou. Y a que ça. Attends, donc on est là, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ah, je suis bleu. Qui est jaune? Il y a pas le mode. Moi, je suis le rouge. Il y a pas le mode team. Ah, mais c'est chiant si les couleurs changent. On va tout mélanger, là, on s'est pas habitué. Tiens. Et ça, ouais, regardez les mêmes couleurs. C'est ça? Bah, attends, moi, il me faut jaune du coup. Qui est jaune? C'est moi, jaune. Alors, du coup, elle s'éroule, bah, c'est bon. Bah, voilà. Ah, attends. Oh, j'ai la manette. Ah, c'est bon, c'est moi qui ai pu start. Hein. C'est la bonne manette. Il y a du online, t'es sûr? C'est ouais. Marqué online en tout cas. Ah, du coup, je suis jaune. Bah oui, mais. Ah merde! Le la pilote. Bah, on a fini le jeu en même temps. Elle qui c'est qui a mis là, c'est pas moi. Là, c'est pas moi. Mais non! Mais pourquoi? Bah, tu, on posait une question. Oh les putain, je l'ai tué du coup, ça l'a, non, ça l'a mais... rendu. Ah, non, je suis mais non, mais c'est pas ça. Mais... c'est qui le joueur en bleu par le du coup, là, je suis. Là, je suis vert, moi. Ah, mais non, mais il faut tout mais rechanger. Bah, on s'en fout. C'est quoi la question? J'ai pas compris cette histoire de question. Mais non, mais est-ce qu'on joue, on joue pas? Il a dit, on regarde les autres modes. Mais oui, il y a pas d'autres modes. Est-ce qu'on peut jouer online? On essaye. Ah, je sais pas. Vas-y, on essaye. Juste pour voir comment ça marche. D'autres mecs. Mais genre, on n'a pas réussi, ils ont pilonné. Vas-y, il faut que les 4 y aillent. Vas-y, joue online. Mais du coup, on peut jouer à 8 ou seulement à 4? Ah, genre, on peut jouer à 8? Je vais pas le poser la question. Sinon, il reste des manettes, hein, Rizzo. Non. Je sais pas s'il reste des manettes. Je dis ça. Mais... peut-être, quoi que. Regardez, appuyez, voilà. Ah putain. Attends, il faut tous rejoindre. Le vert. Bah attends, je suis bleu là. Ah, tiens. Tiens, donne. Non, mais pourquoi? Karaté. Comme ça, on appuie dans le bon ordre. Il nous, voilà, bah, jaune, il nous touille. Le premier, il appuie. Bah, donc, là, c'est le chou rouge. C'est qui? Mais non, mais c'est toujours jaune, bleu, rouge. Bah oui, bah, c'est pour ça qu'il faut oui, appuyer dans le bon ordre. Vas-y, appuie. Appuie, appuie. Ok. Moi, bleu. Voilà. C'est jeu 2. Verdier. Il appuie sur... Non, non. Aïe, 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 aïe. Gilles. Verdier. Voilà, et moi, voilà. Comme ça, c'est bon. Alors c'est quoi les options? Mais arrête de... les options. Non. Mais putain. Oh, ah, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, pourquoi mais c'est moi? T'es relou. Bah oui. Bah je... c'est pour ça tu les avais bougés. Bah oui. D'accord. Bon bah très bien. Regarde, j'ai même pas appuyé start. Ça on peut t'attend. Pas être moi qui est parti dans le menu vu que je. On t'attend. Vu que regarde. Tu vois, ça peut pas être moi qui rentre dans le menu. Ah non, mais là c'est une preuve parce que quand tu appuies le menu, et eh ben tu es obligé d'être le 1. Appuie. Non mais je te montre que appuie. C'est pas moi. Non là vous voyez que c'était oui, pas moi. Oui, ce n'est pas toi. Voilà, regarde, tu vois, c'est Verdier qui le fait. Sauf qu'on l'accuse jamais, mais Verdier, je sais pas pourquoi. Bah du coup, on n'est pas les mêmes couleurs, si, voilà. C'est bon. Bah, c'est, bah non, moi, je suis rose moi. Ah bah t'as pas appuyé au bon moment, voilà. Bah là, oui, mais faut arrêter de faire des conneries aussi. Stop. Oh, là, j'ai le clavier. Moi comme je dois appuyer en dernier pour être le vert, je n'appuie pas. Ça y est, ça y est. Allez, m'accuser à tort. Voilà, accuse-le pas à tort, d'accord. Et de t'excuser quand c'est à tort. Moi je je tournerai bien dans le menu pour m'excuser. Bah, vas-y, retourne, moi c'est pas de soucis, moi de toute façon. Bah, il y a des power-up, fais voir. Ils sont où? Ah putain, ah oh, putain, vous êtes fatigué. Montre un peu. Ah, les options, c'est là les options, non? Ici? Ah, ah voilà. Ah putain, mais on a merde. Vu des power-up. On a vu quelques power-up. Chill là-dedans. Putain, mais les pilonneurs qui appuient sur start tout le temps. Moi, mon perso il bouge même pas. Ouais, il bouge même mais pas. Je pilote. Vas-y, allez juste donc online, tu peux pas appuyer sur start. Juste pour voir comment ça marche. De toute façon, il reste 5 minutes. Allez juste online. Moi, je suis online. Quick hein. Match. Ouais, mais vous êtes que les deux parce que vous nous avez tués en fait. Et bah, faites. Genre, on peut aller à 4 online. Et donc, jouer contre 4 autres. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est plus allons-y. Ça. Allons-y. Mais karaté. Ah, bah, c'est pour montrer que je n'appuie pas. Oh putain, il me fatigue, on voit plus. Là, attention, vais... appuie pas. Attention, appuie. Je vais appuyer. Voilà. Donc Risotto, tu peux regarder maintenant. Regarde, là, c'était moi. Et y a Verdier. Oh là là là. Y a Verdier. Tu vois? Tu vois? T'as appuyé bon. Sur Star. Allez, tous à droite. Allez là, tous à droite. Tous à droite. Tous à droite. Y aller, vous êtes sûr? Oh là là. Aïe 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 aïe. À ce moment-là, j'appuie. Ah, on n'en peut plus. Pardon. Allez, quick match. Oh. Ouah, c'est trop bien. Il y a vraiment du monde qui joue à ça? Je sais pas, on va voir. Parce qu'on est que 4 à acheter le jeu. Enfin, 5 avec. Enfin, 1 puisque. Oui, oui, bah 2 personnes du coup. C'est un le compte, jeu. Tu vois. Il y a peut-être pas de gens. Hein. La commu n'est pas là. Et sinon, on peut hoster un match et les viewers. À quand le FDJ du coup de ça? C'est vrai. Mais les viewers, ils ont pas 5 euros à mettre. Mais 5 euros, putain, ils vont l'acheter quand même. No connection. Hein? Please check firewall. Ah ouais, c'est le firewall. Attends, on recommence et on va dans host match. Ouais, host match peut-être parce que ça va enlever tout le monde. Hop, et là j'appuie. Oh putain. Mais tu es pas par contre parce que si on tue, voilà, ça enlève les gens. Si on tue, ça vient les gens. Qui tue là, bordel? Là, vous avez les... Mais qui tue?
Oh, c'est insupportable. Aïe 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 aïe. Pas grave. C'est bon. Eh, hey, host, non, pas là. Just. Tiens. Non. Just. J'ai un mec qui host, moi là. Aïe 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 aïe. Allez hop dans la boîte. Mais du coup, on est plus que deux. Ah. Vu que wow, ça y est, on host. On est plus quatre qu'on s'est tué dans la boîte. Non. Si. Si, on s'est tué dans la boîte. Ah, le lobby. Allez, moi, je joue. Random player can join, faut pousser le levier. Ah oui, exact. Pousse le levier. Pousse le levier, je vais te. Voilà. Donc bleu. Attends, jaune et bleu, c'est Gilles et G2. Non, c'est pas moi. C'est moi et Verdier. Ok, bah restez. Restez, on va attendre. Ah, bah ça veut dire que j'avais gagné le combat de la boîte. Et ça me fait plaisir, tu vois. Mais ça veut dire qu'on pouvait jouer qu'à deux ? Je sais pas, on s'est tué en fait. Parce que les autres se sont tués. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous êtes cons ? Ah, ça c'est une bonne question, on a pas la réponse. Moi, on dit on peut pilonner, je pilonne. Bon, allez, on attend. On attend, moi j'attends. On attend. Mais si vous tuez, c'est parce quoi ? Il n'y a plus de lobby. C'est quoi ce bouton ? Ah, le pari. C'est tapé ça ? Aussi, attends, laisse voir les boutons. Du coup, bon, il n'y a plus de son. Ouais, il y a une gâchette tapée aussi. Non, ils ont enlevé le son dans les options. Ah, oh, j'ai mis un combo là. Et ben voilà, il peut plus avoir un genre. Et voilà, j'ai winné. Voilà, bravo. Bien joué. Et ça reprend pour le mode normal. Ah, ah voilà, oh, non. Gros mode online. Hein. Oh, yeah, yeah. Mais il est un peu offline. Gros mode online. Hey. Za Waludo. Hey. Hey. Bon. Et si on se remettait à 4 ? Bah ouais. Bah ouais, mais 5 minutes alors, parce que là on va aller se coucher. Sinon, regardez les options. Ok, on ne touche pas. J'ai plus qu'une chose à dire, inscrivez-vous au tournoi Splatoon. Laser, lava. Il y a forêt, désert, factory. Oh, le castle. C'est pas les maps, on fait castle. Tu veux. C'est weapon spawn, je propose. Il y a plein bah oui, là. Les HP, vas-y, fais infini. On va mettre 300, c'est 3 fois plus. Ah. Du régène. Ouais, le régène, c'est chiant, ça va être obligé à camper. Ouais, c'est un peu. Non, mais tu sais, ça veut dire qu'il faudra faire tomber. Ah, oui, oui. Allez, hop. Ah ouais ? Allez, go, appuyez sur A. Je suis le rose du coup, le rose du wack. On s'en fout, on s'en fout, elle est des couleurs. Ouais. Il veut plus jouer. Oh, moi, ouais, il est saoulé là, appuyer sur start tout le temps, moi ça me saoule, je joue à Shadowverse. Tapez en plus Trunks, il fait son planqué, il joue jamais aux jeux vidéo. Ah bah là, faut reset. Non, non, ah bah, oh, si. Non, ah, non, non. Ah, bah si, parce que je veux être vert du coup. Ah, attends. Bah, tu veux ma manette ? Attends, j'ai plus. Ah, mais pourquoi t'as appuyé à quel moment ? Voilà, c'est bon, hop. Bleu. Ah non ! Ah non, bah, je suis refais, rose. Refais. Bah oui, mais tout à l'heure, j'appuie en dernier, c'était pas bon. Ok, Trunks, hop, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et là, on peut se régler, c'est bon. C'est bon, je suis vert. Ah putain, les combats magiques, ah oui, ça va dur. Ouais. Oh, joli ça. Merci. À quoi sert la gâchette de droite ? Droite, c'est pour frapper, bon, gauche, c'est pour ça garder. Frappe. Parce que croix, ça frappe aussi. Enfin... Ça frappe ? Ah, moi j'ai toujours fait avec la gâchette, perso. Bleu frappe ? Ok, bah la gâchette droite aussi peut frapper. Ah, depuis le début, tu frappes. Bah, avec la régène, c'est infini. Ah, bah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est infini avec régène. Mais non, mais on se tape comme ça, c'est bien. Infini. C'est faux. Ah, faut changer. On l'a mis 300 HP et régène, on va jamais mourir. Et un chariot. Oh, je fais le grand écart américain, James Brown. Ah, oh, bah, purée, le mec. J'entends James Browney. Il y a du régène, là. Je te prends dans James, le coin. Ouais, il y a du régène. James Browney. Oh là là. Oh là là. Oh, il y a un vert qui a quand même réussi à être mort malgré le régène. Il est pas mort, hein, c'est karaté. Non, je suis pas mort, c'est fini. Waouh. Oh là, cette inception. Amusez-vous bien, il dit. C'est vrai qu'on s'amuse. Oh là, c'est éclate, hein, y a pas à chier. C'est mieux. Ouais, c'est nul. C'est bah oui, mais vous voulez pas appuyer. Mais... les options. Allez. Mettre 75, c'est Paris. Tu mets un de vie. Tu mets un de vie. Ouais, de 100. Allez, hop. Oh, comme tout à l'heure. Bon, quoi. On va dire ça. On va dire. Prendre moyen. Et Castle. Frank Castle. Vincent Castle aussi. Ah, Vincent oui. Castle. Oui, oui, oui. Vincent Castle est là. Off illusion. Oh, joli le pari. Oh, oh là, il m'a baisé le cul là. Enfin, elle m'a baisé le cul. Ah là, tiens. Ouais, mais lui, il est arrivé.
On dirait la bêta Smash Bros, c'est un peu ça. Oh, oh mon Dieu, c'était quoi? La mort. Ouh là là, qu'est-ce qu'il a? Ah. Oh là là, un c'est quoi exactement? Pipi. C'est le pistolet à eau. Je sais pas, c'est quoi, mais c'est Splatoon finalement. Ouais, j'ai gagné, on arrête, c'est fini. Oh bravo, bravo Trunks. La quitality. Quel talent. Quand je serai grand, j'aimerais être comme Trunks. C'est vrai. Oh là là. On aimerait tous. Trunks et ses 160x. Oh non, plus. Respecte Trunks. Putain de Gilles, tu me le paieras. Mais pourquoi? Oh, ça m'a l'air joli ça. Oh, Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas, moi je tire ailleurs. Voilà. Je suis complètement. Tire ailleurs. Je me tire ailleurs, exactement. Non, fais pas ça. Oh là là, bah, c'est voilà, dangereux. Voilà, regarde, tu vois, est-ce que ça tu vois que t'es maligne maintenant quand même, hein. Est-ce que tu te sens plus intelligente? C'est quelque chose, ça, quand je crois même. Que c'est fusé plus que le lance-greux. Par contre, ça, c'est intéressant. Voilà. Bah, oh, c'est tu fais quoi? Mais t'as pris ta propre trappe, t'as pris ta propre trousse. C'était en fait. Prévu. Aïe. Ah oui, j'ai gagné. T'as gagné quand même, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'avec le spawn des armes, ça devient plus violent, oh là là. Quoi. Attention, quand tu tires, tu peux te faire mal. Oh là 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 là. Tu peux te faire mal, t'es con. Comme le lapin du métro. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Oh, mais pourquoi, Gilles de la Tourette? Je sais pas. Putain. Ah, il t'a remonté le score. Non. Cette difficulté de vivre. Trunks joue très bien. Oh là là. Oh, je le veux. Je lance serpent. Et ça, c'était avant la mort. Tire. Quoi, je le voulais. Oh, ah, bien, ça m'a poussé sur l'arrière tellement fort. Ah, bah, mais j'ai pas tiré, moi. Non, c'est moi qui ai tiré avec mon fusil à pompe. Saloperie de Jill. Saloperie de Jill, putain. Au cac. Au cac. Au caqué, bien sûr. Oh là là. Non, non. Je suis armé. Et dangereux. Musique qui touille bien. Le cerveau, musique qui touille bien. Tu tombes, tonton, tu tombes. Mais non, laisse-le, il y croit. Tu tombes, tonton. Je ne demeure jamais. C'est un nom de James Bond. C'est ça. C'est ça. Oh merde. You do will merde, never die. Simpson. Ah bah je me suis juste suicidé moi. Oh. Destroy, c'est un peu guilty finalement. C'est ça. Ça ressemble hein, comme deux gouttes d'eau. Oh. La rupture d'anévrisme. Pardon. Voilà, tuez-vous, moi je ramasse les miettes. Mouk, mouk, mouk. En la tuant, il se tue. Fait d'hiver à Webedia. Oh, je m'écrase contre les pics. Oh là là, mais non, mais. Easy. Bah, ouais. Easy. D'armes. T'as défoncé tout le monde, quoi. Hop. Voilà. Hop. Ah, mais non, mais laisse-moi, j'étais en train de lutter là. Bah, lutte. Oh là là, putain. Oh, et y'a Jill tranquillement qui chill. T'inquiète. Jill qui chill. Va prendre l'arme, va prendre l'arme. Non, pas maintenant. Jill TV. Là, pas par moi, là. Mais pas maintenant. Oh là là, les sacs. Putain, elle faisait la mort, quoi. Attention, ça peut bouquer. En noix de muscade. Oh, ah, je faire genre en mode saut et tout. Bah, ouais. Ça n'a pas marché. Bouc. Ça tue. Oh la bouc. Aïe. J'arrive pas à bouquer. Tiens, pétez les chevilles. Oh. Pétez leurs chevilles. Oh là là, c'est le Uzi. Ah putain. Best color. On a jamais fait le lance-roquette, j'ai l'impression. Oh. Il était où? Moi en me cachant. Moi en me cachant. Bravo Trunks. Merde. Non. Bravo, pas comme beau une message envoyé. Ok, aux pas gens. Très bien. Oh. Mais quel chiasse ce Trunks. Oh, ces notions de gravité. Oula, là, là, là. Alors là, okay. Les armes. Ah, je suis morte. Aïe. Eh, mais le stage, il a. Oh là là. Ouais, là. Il a plombé le cul. Bonne mère. Regardez-moi Jill. Vous voyez Jill là? Vous voyez? Oh, il est en train de Oh, oh non, enterré sous les serpents. Ah, ce qui est tellement dégueulasse. Non, parce qu'il y a des trucs là, en fait.
Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Oh la mort. Wow. Oh, ça doit faire mal, ça. Empalé. Mais non. Mais non. Ah merde, je suis mort, je lisais le chat. Oh là là. J'ai eu deux. J'ai eu deux. Ok, eu j'arrête, deux. J'arrête, j'arrête. Bon. Par contre, là, il va falloir tuer. Oh là là. Tire sur sa chaîne. Oh. Allez, oh. Elle va tirer, elle va casser ses chaînes, c'est grillé. Oh putain, elle a tiré sur l'arme qui tombait du ciel, mais un skill total. Wow. Digne de super hot. Non. Ah, j'arrivais pas ça. À tirer sur les c'était, chaînes. Ouais, c'était technique. C'était hein. Stick-tastique. Django Unchain. Oh non, elle est ouf, enculé. Oh Jill, voilà. Putain. Jill la bourreuse, quoi. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ah, ouah. Comment chien. T'as fait? Dame, dame. Dame dame Déo. Pourquoi cette haine? Oh pas mal. Ah oui. Ah oh, je me suis tué. Rajin aime fait. T'as vu comment elle pilonne? Non mais c'est. Je vais faire toute la haine de l'univers concentrée dans deux doigts. Ah non, ça veut rien dire, je suis atterri, je suis mort. C'est pareil. Pareil. Je suis pas spawné dans le vide. Ah la biaise. Il est minuit là. Il est minuit, allez on arrête. Ah, le bazooka. Ouais. Et ben voilà, t'as gagné GE2, tu es le gagnant de la partie. Celle qui continuait quand on n'avait pas fini. Tu es le gagnant de la partie. On remercie GE2 d'être venu, même s'il nous a lavé le voilà. cul. Hein. Je sais pas si on va t'inviter. Un plaisir. Merci beaucoup à GE2 d'être venu. Wow, merci à Risotto Show. De nous avoir conseillé ce petit jeu indé fort sympathique. Et bah encore une fois, bon anniversaire. Stick fight, en vrai, il faut combien de coups pour tuer? 3, peu plus, 4, bon 5, anniversaire à Monsieur Lame, j'ai envie de dire. Bon anniversaire à Monsieur Lame, évidemment. 38 2, ans, on dirait et qu'il en a. Dents. On dirait qu'il en a 28. Ouais, presque. Un homme qui a réussi sa vie. Et du coup, demain, nous avons Jilou. Ouais, 10h du mat, hein, et oui. Bah, elle est où, Marmotte? Cette semaine, voilà, c'est, là, il sera c'était la dimanche. Vraie dernière qui comptait. On a Jilou, après c'est on a du Azria, on a du Zoltan Timoth. Le Winquit. On a du Kenny, et Rebelote le dimanche. Kenny Arcana. Avec Exerve dimanche. Et, ah oui et du Tekken. Tekken. Ah merde, c'est vrai, c'est dimanche. Eh oui. Il y a la FDJ's. C'est ça la FDJ's. FDJ, et du coup, Averdi, tu peux rappeler vite fait pour Splatoon? Ouais, Splatoon. Donc, les tournois, ce sera mercredi à 21h, dimanche à 16h. Et le c'est mercredi cool, d'après à 14h. Ouais, l'instruction, c'est sur Tournament. Hein. Tous les détails sur Tournament, ouais, Twitter, Nintendo, dans votre Switch, partout. Voilà, 4 joueurs par équipe. Hein, il faut être inscrit. Hein, les vainqueurs iront et gagneront leur billet pour la Paris Games Week. La FD Gilles de la Tourette. Et pour la FD Gilles aussi. Ouais. Gilles Verdier. Et générique. Au revoir le salam.